Internet! 23 mai 2023, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity, Cathy! C'est un mardi mature, mesdames et messieurs. On est mardi. Oui. On est mardi. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Okay, let's go. C'est mardi mature, mesdames et messieurs. Vous les avez vus, mes deux invités ce soir. J'ai Charles, monsieur Charles Saint-Pierre. Comment tu vas, mon Charles? Bonsoir, ça va super bien. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon Charles? En fin de semaine, j'ai été au Festival de l'amour. Au Festival de l'amour? Oui, le 10e anniversaire du Festival de l'amour. Et j'ai été invité là, j'étais convaincu que c'était une erreur, que j'avais pas d'affaires là. Puis finalement, c'est un festival pour fêter les 10 ans de mariage à Pépé et sa guitare et Karine. Oh, wow! C'était où? C'était chez eux, direct dans la cour. Ici, à Gentilly, je pense? Oui, à Gentilly. Puis écoute, j'ai jamais été chez eux. On s'est croisés à quelques reprises, puis... La thématique du party, c'est qu'eux autres invitent juste du monde qui se connaissent pas. Ah! Ils invitent une personne. Puis là, tu peux pas inviter quelqu'un. T'sais, si ta blonde n'a pas été invitée, tu rentres pas. Là. OK, OK. Fait qu'on se ramasse, on est tout du monde qui se connaissent pas. Il y a un stage avec le plus d'instruments que tu peux trouver dans un magasin de musique. Puis là, c'est un après l'autre qui passe. Puis là, il y a un bac. Ça finit, là... sont 12 sous stage, puis ça joue de la musique comme... C'est un des meilleurs shows que j'ai pas vu depuis 10 ans. Ah, ouais! Ils font ça dans sa cour. Il y a un petit stage dans sa cour. Avec un petit chapiteau, puis c'était magique, pour vrai. Il y avait Madiba King qui est venu. Ah, ouais! Il était là, Pépé, évidemment. Marc et ses instruments qu'on voit passer de temps en temps dans le chat. C'était complètement fou. Puis Louis-Philippe Girard, qui s'appelle... C'est un gars qui fait un peu de musique, mais qui est pas tellement connu. Puis au début de la soirée, je l'ai vu arriver avec une bass. Là, j'étais là, hey, c'est bon. Mais à la fin, il était sur le piano en train de jouer du Jerry Lee Lewis. C'était magnifique. Il y avait du monde qui donnait des cours de danse là, dans leur vie. Là. C'est des professeurs de danse. Fait qu'ils ça dansait comme jamais. Non, méchant bon. On aurait eu rapport là, nous autres, Yann. Ben oui, c'est le pire. Puis, mais t'as-tu rencontré, parce que là, j'imagine, s'ils font du monde qui se connaissent pas, ça veut dire qu'ils essayent de créer des matchs? Non, pas nécessairement des matchs amicales, mais c'est la fête de l'amour. Tu sais, à 11h, tout le monde était tout nu, puis on se caressait. Mais non, c'est pas vrai. Moi, j'attendais ça. Festival de l'amour, c'était très changiste. Ouais, ça fait un petit peu. À 3h, je suis parti me coucher, là. Y a rien qui ça fait un petit peu, tout le monde. OK, là, il va y avoir un petit cabaret de avec des serviettes puis des débarbouillettes. Sentez pas vos doigts. C'est ça. Faites attention, les coins noirs sont peut-être occupés. Fait que, c'était vraiment cool. Puis l'accueil était vraiment chaleureux, ce qui fait en sorte que tout le monde était content d'être là. Puis ça a pris, 5 secondes, le monde vient de te parler parce que tout le monde est tout seul. Fait que tu te mets... Bon, ouais, t'es obligé un peu. Il y avait un musicien à Tigre au Bison qui était là, puis jasé, puis c'était vraiment cool. Puis Karine, qui est la femme à Pépé et sa gérante, a eu un décès dans sa famille, puis elle a hérité la collection de sa grand-mère de salière et poivrière. Si, bois, passionné. Une table... rempli de salière et poivrière. Et t'avais pas le choix, fallait que tu partes avec une. On a mangé salé. Pour vrai? Ouais. Mais tu sais, c'était toutes des. Moi, j'en ai ramassé un. C'était un divan, puis avec un petit chat porcelaine par-dessus. Puis le petit chat, c'est ta salière, puis le divan, ta poivrière. Wow! Mais là, il y en a plein, là. Il y en a plein. C'est toutes des différents. Puis j'ai vu le plus beau cadeau de Haute qui s'est donné dans une veillée. C'est justement Louis-Philippe Girard. Le gars, là, il a un petit chandail avec son paquet de clopes, là, une petite moustache molle, puis une vieille casquette de trucker. Là. Il a le look, là, tu sais. Vraiment, là, le gars qui est resté pogné dans les années 80, mais super gentil puis talentueux. Puis, en s'en venant, il est arrêté dans une vente de garage, puis il a trouvé, je te dis, le plus beau bibelot que j'ai vu de ma vie, là, en porcelaine, là. C'est Adam et Ève qui fourrent. Ils sont à poil, là. Puis tu vois le poil, là. Tu vois tout, là. C'était à porcelaine, c'était magnifique. Mais moi, je pense à la personne qui a eu ça pendant
Tu sais, le monde de garage, tu c'était en haut de la ça. Salle de bain. C'est ça. Hey, mais c'était beau, là. J'étais vraiment jaloux. C'est le genre d'affaire que je me crossais quand j'étais jeune, ça. Ah! Mon oncle, il avait une tasse. Il parlait des ventes de garage. Mon oncle, il avait une tasse. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de porn. Il n'y avait pas d'Internet. Non, fait que la porn, il fallait t'en trouver où tu peux. Puis mon oncle, il avait une tasse, puis... Il y avait une fille qui était comme en costume de bain, puis quand tu versais du café avec la chaleur, ça enlevait le, tu sais, ça faisait disparaître le costume de bain, puis elle était tout nue. Fait que je me crossais puis je mettais de l'eau chaude dans le crisse de temps. Il n'y a jamais autant bu de thé. Le gars, il part avec sa bouilloire, sa tasse, qu'est-ce que tu fais, maman me crosse. C'est bien, t'aimes donc bien ça, le café. C'est ça. Il part avec le silex. Puis toi, mon Will, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Moi, j'ai crashé une compétition de danse. T'as crashé une compétition de danse? Ah oui, c'est vrai. Je l'ai compté. C'est quoi? C'est je l'ai pas crashé, mais comme j'ai volé un moment à du monde qui vivait un beau moment. Okay. Parce que, dans le fond, vendredi, moi, j'ai passé mon examen de moto. By the way, ça, c'est comme ça que mon vendredi a commencé. J'ai passé mon examen de moto à SAAC. Puis, avant de partir, je parlais avec un monsieur qui venait de faire son examen. Puis, un dude fait comme « Hey, Will! » Moi, si, je suis comme « Faut-tu que je reconnaisse cette personne-là? Je sais fuck all, c'est qui? Hey, vous êtes des estis malades au Daily Buffer! » Fait un dude qui... trip sur le Daily Buffer qui est venu me voir dans le cours de la SAAC à Lévis. Puis le soir même, mes parents étaient montés à Québec pour aller voir ma cousine dans sa compétition de danse Hit the Floor à Lévis. Là, mes parents me disent, tu veux-tu venir avec nous autres à soir? Toute la famille y va, puis ta cousine serait bien contente. Et bon, moi, y aller, j'ai rien à faire à soir, ma blonde n'était pas encore revenue. Puis, comment c'était fait là-bas, c'est qu'il y avait la scène qui est énorme, puis il y avait deux gros écrans géants de chaque bord. Puis pendant les remises de prix, tu pouvais rentrer une adresse, un site web, puis ça t'amenait sur une page que tu pouvais écrire de quoi, puis envoyer une photo, puis ça l'envoyait sur les écrans. Hey, c'est dangereux en temps. Ah, ça, j'aime ça, m'amuser avec ça. Il y avait quelqu'un qui filtrait. Okay, tu pouvais pas envoyer d'affaires d'intimidation, ça a pris comme 30 messages. Juste, avant juste la graine à patouf. je l'ai pas envoyé, là. OK. Puis là, un moment donné, il y a un gars qui met ça sur l'écran, il fait « Prends une photo de lui, j'en suis surpris de même. » Il fait comme « J'ai rien à faire ici, calice, je suis perdu. » Ah non, puis ils l'ont montré. C'est drôle, ils l'ont montré. Là, moi, j'en chéris. Là, je fais comme, t'es pas tout seul, moi non plus, je sais pas ce que je fais ici. Mais là, le monde, il voit mon nom. Mais là, le monde, il commence à répondre. Will, t'es où? On venait te sauver. Là, j'envoie une photo, je cite. Ah! Ça continue. Tellement que le gars qui animait ça, tu sais, t'avais comme 150 personnes sur la scène qui attendaient leur prix s'ils gagnaient. Puis là, un moment donné, ça a arrêté, ça a fait. Là, c'est qui Will ici? Là? T'es où? J'ai fait, je suis là. Il dit, lève-toi. Il y avait à peu près genre 650 personnes dans la salle. Comme là, tout, je suis comme, non, c'est correct, là. Je suis correct. Mais, j'étais perdu, mais là, je suis correct. Là, le monde a commencé à applaudir. J'ai fait un genre de Hulk Hogan, un genre de. Et comme, ça a duré comme 5 minutes de hurlement, de pas de bon sens. Mon père t'écrase de rire à côté de moi. Puis finalement, on retourne en char après. Je sors de la salle, il y a plein de monde qui vient voir. Hey, tu nous as fait rire, J'ai dit, comment qui? C'est bizarre en comme soirée. Fait que finalement, j'ai volé le show à Hit the Floor. Je trouvais ça drôle. D'un début de Twitter, il y avait un site que. C'est ça, tu sais, ça faisait une animation avec des hashtags. Fait que si tu écrivais un hashtag spécial, tu disais. Tu pouvais mettre ça dans des écrans, puis si, admettons, tu choisissais le hashtag que tu voulais que ça récupère, puis là, ben, quelqu'un qui écrivait ce hashtag-là, ben, ça envoyait ton tweet avec le hashtag, puis là, ben, ça s'animait dans l'écran, tu sais. Okay. Fait que. Je sais que t'as fait. C'est ça, moi, quand ton histoire commence par. Dans le temps, c'est Twitter, là. Fait que, il y a une fille qui est à l'université, puis là, elle tweet son cours, elle est là. Là, le professeur vient de nous parler de telle affaire, puis je vois en arrière, elle prend des photos du professeur, puis en arrière, il y a les écrans. Oups! En arrière, il y a les écrans avec l'hashtag. Je comprends c'est quoi la patente, c'est pas long. Fait que là, j'arrête pas. Il y a pas de filtreur dans ce temps-là. Il y a pas personne pour filtrer, là. La tête n'avait pas. Fait que là, j'ai écrit « Get »
50% off Cialis and Viagra right now. Enlarge your penis. J'ai écrit toutes sortes de cossins. La fille est en tabarnak après moi. Elle dit là, Chris, ils font juste gosser sur ton esti de tes esti d'affaires. Ça, ça fait très Yann. Début Twitter. Là. Mais tu sais, je l'avais compté ça ici. Tu sais, que je spoilais le. Je spoilais oui, le... oui, 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 oui. Ouais, ça, c'était. Je connais pas. T'as ah, pas... ça, je pense que c'est ton meilleur, ça, Yann. D'un début de. Parce que j'étais quand même assez geek. Tu sais, je suis quand même pas pire avec l'informatique puis avec certains codes. Tu l'avais-tu codé, ça, ouais? Hein? Ouais, ben, je l'avais comme codé, si on veut. Il y avait un outil qui s'appelait Yahoo Pipes dans le temps, puis tu pouvais raccorder toutes sortes de services avec. Avec toutes sortes de triggers, admettons. Tu prenais un fil RSS, puis là, quand tu recevais un podcast, ça pouvait t'envoyer un email ou des trucs de même. Okay. Puis là, j'avais réussi à prendre j'avais réussi à le raccorder avec Twitter. Puis là, ben, c'était dans le temps de le film Twilight. C'était le troisième. Tu sais, tout le monde se demandait si elle allait choisir le werewolf ou bien le style de Dracula. Là, ouais, t'sais. Ouais. Fait que là, quiconque qui écrivait « Je m'en vais voir Twilight à soir », ben là, j'y spoilais le film. C'était automatique. Ouais. Le bot, le bot, il spoilait. Fait que le bot, il écrivait a choisi tel gars, puis l'autre, il meurt. Puis, oui. Fait que là, j'y spoilais. Mais moi, j'oublie ça parce que j'ai créé un compte spécial pour ça. C'était ça. Le spoiler bot. C'est génial. Fait que là, j'oublie ça, moi, cette affaire-là. Puis là, ben je laisse ça aller. Puis à un moment donné, je reviens. Puis là, j'ai du monde. Je m'en vais voir le compte. Il y a des mères en tabarnak. T'as spoilé le film à ma fille. Je veux te tuer, je veux te retrouver. C'est tellement bon. Oh, calice. Le monsieur Lanoux qui dit t'es ben une vidange. Ouais, ça, c'est indéniable. Peut-être qu'il l'a encore, spoiler bot, sur Twitter. Peut-être spoiler que... bot. Ouais, peut-être que. Asti que c'est bon. Twitter.com. Wow. Je vais juste aller voir si. Si. Puis y a-tu spoiler bot? Spoiler. C'est chier. Bot. Tu devrais faire ça. Tu devrais. Si tu l'as encore, tu devrais changer pour le nouveau film. Là. C'était-tu moins ça, non? Pas Need for Speed, là, l'autre. Ah, oh, l'autre. Là. Spoiler bot. Oh. Dis que. Yep. Pas, Paul Walker, il meurt à la fin. Spoiler. Non, c'est pas le mien, ça. Ça, c'est pas le mien. Fast and Furious, ouais, c'est ça. Ah, fuck. OK, bon, mais j'ai pas... Ça, en tout cas, ça, Yann, c'était un bon coup pendant. Ouais, ça, c'était pas mal dans mes affaires les plus vaches. Je me rappelle, t'avais fait un vlog là-dessus ou je l'avais raconté dans un stream. Ouais. C'est tellement premier niveau, juste chien. Mais le pire, c'est que moi, ça me choque, là, si quelqu'un qui me spoil un film, là. C'est pas juste spoiler un film. J'ai le coup de la j'ai dit, coup d'y arracher. Check bien ce qui va arriver. Ah, je veux Chris, pas le savoir. Oui. Je sais qu'il y a de quoi qui s'en vient. J'ai plus je parle plus à Martin Mallette à cause qu'il m'a spoilé un moi, film. Moi, Martin Mallette, je suis plus capable. C'est qui, Martin Mallette? C'est un humoriste. C'est un humoriste. Il est tout le temps. Il fait ses petits shows dans Hochelaga. Tu sais, Rosalie, elle l'a déjà connu. Dans CDM. Potentiellement. Il était bien drôle sur Twitter, puis bien le fun, mais il est venu à sous-écoute, puis ça a été un petit désastre, mais il était bien drôle. Un genre de Bourgault? Pas un Bourgault, mais... Sur l'échelle de Bourgault. Okay. Sur l'échelle de Bourgault. Zéro à Bourgault. Mais disons qu'il a manqué son coup, parce que Mike, il lançait plein de balles courbes, là, tu sais, ben des balles faciles, puis il les attrapait. Il en attrapait aucune. Il faisait juste répondre par oui ou non, puis Tu le sais. Mais le pire, c'est que moi, je pense que je reviendrai à écouter sous-écoute s'il reviendrait. Tu sais, je veux dire,
J'étais un peu saturé. Ouais, ça prend lui puis ça prend Max Leblanc aussi. Max Leblanc, ça avait comme mal passé. Max Leblanc, c'était... Il avait de l'air sa poudre bien raide. Quoi? Il avait de l'air super... Je ne sais pas s'il était sa poudre, mais c'est l'impression que ça pourtant, donnait. Pourtant, ça aide tellement les drogues. Il faisait des grimaces, toutes sortes de d'affaires. Les drogues... Si Stéphane Rousseau, il était fumé un joint au lieu de chier hier pendant le podcast, moi, je suis sûr qu'il était fumé un joint. Hey, il est revenu les petits yeux, puis il punchait, là. Mais il punchait comme un gars qui venait de fumer. Tu sais, lui, il était juste... Qui ça? Stéphane Rousseau, hier. Il a un moment donné, il est parti. Il a dit, hey, je m'en vais chier. Puis ça a pris un petit bout avant qu'il revienne. Ben là, il est revenu. Il n'y a pas de régularité. T'as pas la foi en son caca. Toi, non, tu penses qu'il se drogue. Au Soundbrag. Il a peut-être poussé une dure, je sais pas. Au Soundbrag, il a fumé sur stage. Il avait sa vapoteuse. C'était une wax pen qu'il avait, là. Ah oui? Ben oui. Chris, il est-tu si drogué que ça? Puis il disait qu'il faisait du micro-dosing de moche. De moche. Moi, je suis sûr, hier, son caca, je suis sûr qu'il est parti fumer un joint. Je suis sûr. Il est revenu, puis Chris, il punchait, là, mais il punchait comme un gars. C'est ça, qui venait de fumer un joint, puis qu'il a des talents comme lui, là, pour puncher. Ah, il était fort. Il était fort, en esti. Puis il t'a fait un beau colleux. Ouais, un beau. Un beau colleux. T'as-tu flatté un peu aussi? Je pense qu'il me donnait des becs. Oh, il t'a donné quelque. C'était une micro-agression, ça. C'était une micro-agression. Britannie, micro-agression. C'était vraiment cool hier. C'était cool. Puis ça kick-off un peu la tournée, là. Ouais. Puis avec Anto, puis avec Olivier, là. En tout cas, c'était rassurant de savoir que. Tu sais, les gars, ils connaissent leur affaire, là. Ouais. Fait que. Il y en a fait tantôt des captations là, au Québec. Ouais, là. C'est ça. Il y a un DVD sur deux, c'est ça. Là. Ouais. D'humour, c'est lui qui a fait. Là. Ouais. Puis lui... quand je regardais tantôt juste la version live qu'on a diffusée hier. Là. Ouais. Puis la qualité est tellement belle. Super belle. Si, bah, c'est ouais, il y a les changements de caméra qui est ordinaire un peu. Mais... ça, ouais. C'est le spoiler bot. C'est juste parce que hier, j'ai vu ton bidule. Là. Puis, tu pouvais avoir 14 caméras là-dessus. C'est fou, ça. Ah non. On s'est pas adé. On a comme. On a. Ça enregistrait le programme. Puis en plus, ça enregistrait toutes les caméras en ISO. Puis après ça, on enregistrait. Dans OBS, puis après ça, on avait le live, si jamais. C'est, puis en plus, on a enregistré le son à part, puis c'était pas clair. Là. T'es pas un grand? Non. Elles étaient faites VHS en plus. VHS. Ouais. Sur ruban. Peppers, quelque chose. Et là, oui, effectivement. Mais c'était bien bon. Ça donne le goût au prochain. C'est quand le prochain, puis c'est où? Ça va être Drummondville. On pourra peut-être pas toutes les diffuser live. Ça va dépendre de l'internet de chacun. Ouais, lui, il sera pas bon. Ouais, Drummondville. Arc. En tout cas, barrez vos portes. Sont pas si pires. Ben non, c'est un running gag. Je les aime, les gens de Drummondville. Je les aime. Tu sais, leur représentant est quand même assez cool, là, Patouf. C'est le maire du village, c'est ça, non? Oui. C'est lui? C'est le gars, la police fantôme. Oui. La police fantôme avec ses lumières. Tantôt, Charles nous a montré une vidéo, c'est Patouf. C'est Patouf qui... Il monte, il est à côté de son char, puis il a ajouté des nouvelles lumières, mais ça flash bleu, blanc et jaune. Ouais. Patouf, blanc et rouge. C'est légal rouge parce que c'est Bluetooth. Attends, ouais. On va le retrouver. Ah, si, c'est bon. Il est survenu en live. Et là, il a perdu son permis, mais il l'a pas perdu. Il a été révoqué. Il a pas été suspendu. Ah non. C'est bien moins pire. Patouf. Attends un peu. On va aller voir le. Je l'ai dit. Ouais, c'est ça. Je l'ai ici. J'ai même pas où je vais. Non. Oh, ouais. Ah ouais, c'est ça. Patouf, il a Patouf, il modifie. Il a pas son permis. Non. Ben, il avait son temporaire. Ouais, mais il était révoqué. Mais il a pas été suspendu. C'est illégal. Elle le sait, je connais mon chum de gars, il a acheté. Il s'est fait révoquer parce que probablement qu'il a conduit. Il a conduit tout seul, sans. Ouais, il a conduit tout seul. Ouais. J'ai pas conduit avec quelqu'un, mais il a juste été révoqué, il a pas été suspendu. Ouais. Révoqué, ça, il te l'enlève au complet. Ben oui.
Je sais pas, c'est quelque quoi chose. Y a-tu quelqu'un qui peut nous appeler puis nous expliquer la différence de révoquer puis de révoquer puis de suspendu? Ouais, si, si. Ah, puis y en a. Le pitch, il dit, y a eu un accrochage. Non, 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 non. C'est sûr qu'il joue et qu'il est conduit comme dans le GTA, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un hostie de polonais, lui. Ouais, c'est la même affaire. Il est descendu de son char, il a battu une madame. Il a bavé, puis il est reparti. Tiens, mon chinois! Calisse! Ben oui, c'est pour ça qu'il l'a perdu. Ben voyons donc. Oh non! Hey, parce que là, il met de l'argent. Ah, ah, révoqué! Révoqué, là, c'est ça, je pensais. Suspendu, tu peux le reprendre. Révoqué, faut que tu surfasses tout le cours. Ah, ah, c'est ça. Suspendu, c'est temporaire. Révoqué, c'est à l'infini. Faut que tu refasses tout. C'est des idiots. Hey, c'est bon, là. Ah. Fait que c'est pire qu'est révoqué, que suspendu. C'est pire que suspendu. Mais là, l'affaire, c'est que... Là, ça, c'est un Mazda 3, j'imagine, c'est ça? Ouais. Ça, c'est son Mazda. C'est une machine de guerre. Ah oui, ça, là, c'est... il met de l'argent là-dessus, mais il peut pas le conduire. Il peut juste le regarder. Fait qu'il va, il nettoie. Il prend pas, il prend juste de la valeur, il fait pas de millage. Puis là, il prend son petit cash de je sais pas... De Twitch, là. De Twitch, I guess, ou de... Ben oui, on a payé le 15 de Twitch. Fait que tu sais, le temps qu'il commande les morceaux, puis ça arrive, fait que c'est ça paye Twitch. Ah, ça doit être ça. C'est fait sûr. Que là, il met ça sur son genre. Sur sa machine. Ah oh, oui, attends un peu du mal, il l'a quand il fait du roleplay dans son genre. Non, non, ça. Attends. Non, ça, je sais ce que c'est. C'est pas vrai, j'ai pas vu ça. Talkie Walker, je le trace pas là-dessus. Talkie Walker, j'ai l'impression que. Fais juste ça checker pour être viré. Sûr avant, là. Ça, ah, c'est moi. Toi. Ah, c'est ma version patouf à la demande de. Je lâche la clutch. Oh, tabarnak! Mais patouf, oh, wow. Il faisait ça pour vrai. Ouais, moi, c'était une joke, là, je le ouais, non. T'as ton permis. Ah, j'ai mon permis. Il est pas révoqué. C'était un beau moment. Et ça, ce vendredi soir-là, c'était assez drôle. On s'est rendu compte que Bourgui, se faisait 3 jours qu'il était banni, mais on savait pas pourquoi. Puis pauvre Bourgui. Bourgui, dans mon Twitch, il participe tellement, il est très présent. Puis par erreur, un soir, un peu, ça rumba tout le monde, il était banni. Mais là, il se demandait pourquoi. Puis il savait pas comment me rejoindre ou quoi que ce soit. Fait qu'il était 3 jours. À la fin, il était en crise. Il a tout. Il s'est désabonné de mon Patreon, s'est désabonné de mon Twitch. Il était sûr qu'on y en voulait, mais finalement... C'est comme moi, j'ai banni quelqu'un la semaine, le dernier show, mais je sais même pas encore c'est qui. On sait-tu c'est qui que j'ai... Regarde, j'ai fait un emote, Free Bourgui. On a ri en tabarnak, ça, c'était drôle. Calisse que c'est drôle. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai banni quelqu'un par erreur, puis je ne sais pas comment. Faudrait y dire de commenter. Mais je pense qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans le chat qui l'avait... Débanni. Débanni, ouais. Ah, Duval, il l'a débanni. C'était qui? Tu te souviens-tu? C'était quelqu'un de... C'était pas Gauthier, justement? Free le Fools. C'était Fools. Ah, c'était le Fools. Je pense. Parce que, tu sais, le temps que tu cliques pour, admettons, tu sais, pour faire le drop-down, ben des fois, tu cliques, mais pas sur le bon, non. Le bon. Des fois, c'est ça, Gary. Mais là, c'est ça, tu sais, Patouf, il est allé dépenser. Là, il a mis son argent sur des lumières qui sont Bluetooth. Oui, mais ça ajoute du HP. Ouais, ça, parce que son Mazda, il est stock turbo. Ça, c'est une technologie que Mazda ont faite. Ouais, c'est dans la crémaillère. Moi, c'est quand il compte. Dans hier, je sais pas, je pense que je l'ai dit dans le pre-show, il disait, c'est quoi les 4 technologies que des compagnies ont inventées? Le monde était comme moi, mais... Tout! C'est parce... Tu sais, il y en a beaucoup, là. Il en a tout plus est une info, oui. Non, il y en a 4. Puis là, il a dit genre le AWD. Chris, c'est une traction intégrale, innocent. De genre, tout. Je veux dire, tout le monde l'a déjà eu. T'es comme, qui l'a inventé? Puis il a même pas dit le bon test. Il a même pas dit la bonne. Il a dit genre Mazda. Patouf, c'est un. C'est, en tout cas, c'est. C'est une légende. Comme le monde, ils disent dans le chat, c'est illégal sur la route.
Fait que son char va rester dans le stationnement. De toute façon, il n'y a pas. Légal sur la route. Les lumières. Les lumières, ben oui, c'est légal. Ben mais oui, c'est illégal ce qui se. Mais il prendra. Là. Si je me prends un police pack, il prendra pas le char. Des... Il va rester là. Il peut se rajouter un aileron. Il peut mettre des guns s'il veut, il roulera pas. Mais là, il a commandé un aileron aussi. J'ai hâte de voir ça. C'est lui qui va le mettre avec du tape. Ça va être drette, mon gars, au niveau, avec un peu de poté puis du tape gris. Là, moi, j'ai mis l'aileron en avant. Ça fait plus beau. Patouf, c'est une légende! Moi, je l'adore. Je l'adore. C'est, bon. Ouais, c'est live quand il parle pas pendant 20 minutes. Ah ouais. Puis le monde donne de la merde, là. Tu sais, dans sa cuisine, là, il y a le mur du fond complètement, là. En plein milieu, il n'y a rien de son mur, là. En plein milieu, là, il y a une rangée de couteaux de cuisine. Ben oui. D'après moi, c'est la seule place qu'il a trouvé qu'il y avait deux studs. Lui, il est capable de tout faire. Il sait faire à manger. Ouais. Il s'est fait la cuisine. Ouais. Il s'est fait à manger. C'est... Il s'est cuisiné. Ouais. C'est exactement, il a déjà dit ça, by the way. Tu sais, moi, je suis capable. Il y en a un qui dit c'est de la lumière à bio. C'est de la mine à bio, t'as la mine! C'est de la lumière à bio, pour vrai. C'est de la mine à bio! Ah. On l'aime, moi je l'aime. On l'aime. Une chance de Drummondville. C'est ça que vous avez inventé. Il y a Rock Chihuahua qui dit que c'est dégueulasse chez eux. Sa vaisselle est sur le bord de marcher du sol pour se rendre au lavabo. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Pourquoi? C'est surtout un vortex, oui. Parce que... Toi, tu devrais ramener ta tablette dans les sous-écoutes devant public. Là. Ah oui. Toi, pendant un live, pendant genre un punch, c'est des idiots. C'est des idiots. C'est des idiots. On veut rien savoir. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je pars à un sous-écoute, j'envoie tout le temps, tu sais, genre, c'est des idiots. Ben, okay, ouais. Y en a qui envoient des insights. C'est drôle, là, ben... ça. Aïe, aïe, aïe. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? T'as-tu fait autre chose de bon cette semaine, mon Will? Une bonne semaine, mais c'est entraîné tous les jours. Parce que j'étais seul la semaine passée. Ça fait-tu longtemps que t'as pas fait de mots? T'as fait de mots quand? Ben là, moi, écoute, tous les jours, mais je suis seul. Ouais, mais là, ta blonde est revenue dimanche. Ben, revenu. Tu as-tu donné une go? By the way, écoute ça. Tu as-tu fait des crêpes à Bédène? Elle était où, ta blonde? Elle était en Croatie. Croatie. Avec de ses amis. Christement, le fun, il n'y a plus tous les jours. En Croatie, qu'est-ce que tu vas faire là en Croatie? Ah, c'est bien touristique comme endroit. Les échanges aussi, l'échange de couple, les orgies. Oui, 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 ça oui. Là. Mais c'est principalement pour ça qu'elle y allait. Ben, mais ils sont allés genre deux jours en France, comme la première et la dernière, pour prendre leur l'avion pour revenir. Puis en Croatie, il n'y a plus, mon homme, mais genre beaucoup de pluie. Ah, tellement ouais. Que quand il arrivait d'un parc national, je me rappelle plus c'est combien de chutes d'eau, mais il y en a comme 60 une à côté de l'autre. Là. Puis c'est un super beau parc. Puis ils ont pas pu faire 90% parce que tout était fermé à cause des pluies diluviennes. Puis moi, j'ai texté Pis et c'est comment? Elle dit il pleut beaucoup, tous les jours, tout le temps. Non. Puis quand il était à Paris, comme dans le transit, t'es comme et que c'est le fun! Et que c'est le fun! Il faisait beau, j'étais comme Chris, me semble. Tu restes en France, de un, ça aurait été moins cher, puis de deux, il aurait fait, même s'il pleut à Paris, c'est quand même cool. Là. Mais ça me croissait, je l'ai pas compris non plus. Mais, puis quand ils sont revenus. Mais c'était un voyage, c'était un voyage ludique, c'était un voyage de tourisme. Elle a trip voyagé à côté, là. Puis moi, je suis pas milliardaire comme elle, fait que je peux pas y aller toutes les fois. Mais il va avec une de ses amies, à peu près une ou deux fois par année. Là. Amie. Oh, ouais, son amie Caroline. Les ciseaux. C'est une, les ciseaux. Oh, ouais. Elle, là. T'as une chance, je la connais pas, ta blonde, parce que j'ai plein de choses qui me viennent. Elle, c'est le top ciseau, mon gars. Ta mère, elle, top ciseau. Elle peut te casser le nez avec un regard. Mais non, ben, quand ils sont revenus, moi, j'ai perdu mon après-midi. Parce qu'ils étaient supposés arriver à midi. Finalement, elle me texte, on est rendu à Montréal. Comme comment ça, vous êtes allé à Montréal? Tout est tout nu, ben bandé, là. Non, moi, je suis à l'aéroport à midi et 20 à Québec en train d'attendre dans l'auto. Moi, t'es supposé arriver à 25. J'arrive à 20. Elle me texte 45 minutes plus tard. On est à Montréal. Je suis comme non, je viendrai pas te chercher. Là. Elle dit non, on est venu remettre du gaz. Ouais, mais Chris, comment ça, vous allez remettre du gaz? Vous allez... C'est quand même un peu plus loin pareil. Elle dit bon, on a fait deux fois le tour de Beauport. Un peu plus haut. Hein?
Parce que il y a un asti d'avion que quand il est atterri, il a fait un flat. Puis ils ont été trop... T'sais, c'est un aéroport de région, qui est, lui, à Québec. Là, ils disent international, mais c'est un tout petit aéroport. Là. Ben oui. Fait que là, ils avaient de la misère à le tasser. Fait qu'ils ont fait deux tours de Beauport, sont allés à Montréal se tinquer, puis sont revenus. Ils sont arrivés à 4 heures. Moi, j'aurais eu de quoi à faire, asti, pendant mon... Je serais allé faire de la moto, je serais allé faire de quoi? Mais non. Je me suis fait. Ouais, Jean Lesage, sors-toi un hélicoptère. Ouais, le gaz est moins cher à Montréal. Ils sont comme fuck. On va aller stinker en Ontario. On va aller à Waterloo. Là. Mais non, c'est ça. Puis, t'es arrivé samedi. Ouais, c'est arrivé samedi parce que vendredi, je donnais mon show au Hit the Floor. Ouais. Qu'est-ce de... pour vrai, là. C'était ça qu'il y avait aussi quand on était à Hall, hein? Ben, à Gatineau, hein? Oui, oui, ouais, exact. Ouais, ouais. Mais ça, j'ai compris, c'est un ancien danseur professionnel, je pense. Là, je suis pas certain. Ça doit être Nico Archambault, c'est non, pas ça, je pense Nico... pas. Je pense pas. Lui, c'était un personnage que les grandes gueules imitaient aussi, puis c'était minable comme personnage. Il l'imitait à radio, puis... Nico Archambault. Ouais, à un moment donné, il était partout, le gars. Oh, ouais, lui, il était partout. Il était partout, mais on le voit plus. Je pense pas que c'est lui. Ben, on y souhaite. Mais je pense... mais je pense pas que c'est lui, mais il y en a un qui a créé The Floor, un ou deux. Puis, hey, ils partent des compétitions en tournée. Ça coûte fucking cher louer des palais des congrès, puis eux autres, ils louent ça. Le Daily Buffer serait capable de se le payer. Oui, je le sais, mais le Daily Buffer, c'est plus gros que tout. Hey, j'ai un gars d'Abitibi qui m'a contacté cette semaine, Yann. Ah oui? Ouais. Il a dit Daily Buffer, jamais. Le gars de Corp Cash, hein? Ouais. Drette ça. Puis qu'est-ce qui... Ben, il voulait savoir si je faisais de l'humour parce qu'il voulait que j'aille à sa soirée. Là, j'ai dit non. Là, tu sais, je fais pas d'humour, j'anime de temps en temps. Puis là, parle, jase. Il écoute souvent le Daily Buffer aussi, puis tout ça. Puis il aimerait ça qu'on monte. Ouais, j'aimerais ça. J'ai manqué mon coup avec Jeremy. Mais là, avec le Daily, tu sais, Steven viendrait peut-être. On se fait la même formule. Ouais. Formule même. Mais soit si on se paye. Là. Ouais, là, c'est quoi ton soir? Ouais, là, oui. Ah ouais, j'ai même pas payé. Ouais. Faf, là, Chris, là. Hey, mets-toi des. Ouais, mais c'est ça. C'est facile. Alors, là. Mets-toi un bouchon, puis mets-toi... laisse-nous patience. Tu sais, c'est facile. C'est... En tout cas, moi, je serais bien willing à ton retour là, du sous-écoute on the road. Là. Quand est-ce que tu pars en Europe? Je pars en juin. J'ai un été assez. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est des petites journées ici et là, dans le milieu de la semaine. Puis tu vas avoir besoin de te reposer. Mais moi, je te dirais, au retour, pas pendant, tu sais, à l'automne. Ouais. À l'automne, avant la neige, là. Ouais, en octobre, septembre. Ouais. Moi, je te bookerais ça. On part là pour un samedi soir. Ouais, on va faire son podcast. On s'en va se faire une soirée d'humour. Ben oui. Moi, je vais faire l'animation. Puis, la même formule, là. Moi, je vais faire mon petit... Toi, tu vas faire quoi, toi? Tu veux-tu conduire? Non, mais ouais, tu sais... Moi, je vais faire mon nouveau show. Ça va bientôt canceller. Ah ouais? Ah ouais, ça va être bon. Tu joues de la guitare? À la fin, là, j'annonce que je chie tout le temps dans mes culottes du sang. Ah, ok. C'est un nouveau concept. Ah oui, 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 je connais. J'aimerais ça vous jaser, mais je peux pas rester. Faut que j'aille chier longtemps. Faf, je sais pas s'il veut que je le raconte, mais je vais le raconter. Aujourd'hui, il y a un gars de Puro Later qui est arrivé chez eux. Ah oui, il a ouvert la porte. Il le reconnaît. Ouais, il le reconnaît. Hey, comment ça va la santé? Puis là, Faf, dans son. Ça fait 8 jours qu'il n'a pas vu personne, puis qu'il n'a pas parlé à personne de vive voix, tu sais, un peu sonné. Ça va super bien, toi. Oui, la santé, ça va. Il s'est chié dessus. Un athlète. Tu sais, un athlète. Mais il me disait. Pauvre Faf. Il me disait que c'était bon signe, présentement, les gaz. C'est toujours bon signe. Mais quand il y a des gaz, ça veut dire que la digestion reprend, là. Tu sais, parce qu'avant, c'était direct, là. Ouais. Fait que là, il est pour le mieux, il est pour le mieux, là. Ouais. Bon, il est sur la bonne voie. Ouais. C'est la première fois que j'entends. Tu vois que ça reprend du mieux quand il y a des gaz. Non, mais pas de chien dans les culottes, mais des gaz, là. Mais il se trouvait bien drôle. Mais c'est ça. Ouais, le gars de Puro Later est traumatisé à cette heure, il a quitté sa job. Il y a Kevin Saint-Lô qui dit, j'ai entendu ça cette semaine, que Yann s'appelle Yann Buzz Terry. Oui, c'est vrai. Ah, Chris, t'as pogné un vieux sous-écoute d'abord. Ouais. Ah. Non, mais je pense que tu l'avais compté ça toi aussi. Ah, ça se peut. Buzz, c'est tellement drôle.
C'est à cause de ton père trippait sur une émission qu'un personnage s'appelait Road 66. Il y a un gars qui s'appelait Buzz, puis l'autre s'appelait Todd. Fait que là, il m'a appelé, moi, c'est mon nom, c'est Joseph Yann Buzz Thériault. Puis il voulait faire la même affaire à mon frère. Okay. Mon frère, c'était supposé d'être Todd. Puis là, ma mère a fait, hey, là, tes hosties. Fait qu'il y a juste moi. Mais moi aussi, j'ai un nom simili de même. Ah ouais, c'est quoi? C'est William Tons? Ultraman Pac. Ultraman? Ah ouais. Yeah! Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que c'est mon courriel à cette heure. Drop ton gun et dis ton email du Daily Buffer, c'est Yann Buzz, YANBUZZ, exactement. C'est à cause de ça. Ultraman puis la fourmi atomique. Le 12, les deux noms. Le 12 les est deux où? Middle names. T'as-tu des frères et sœurs, toi? Oui. Non. T'es enfant unique. Moi, je suis seul. Seul au monde. Ouais. Mes parents m'ont eu et ont fait comme. C'est en masse. C'est en masse. Enough is enough. C'est quoi t'allais dire, Charles? Le 16 septembre. Samedi 16 septembre. Moi, j'ai quoi? C'est... On va checker mon ordi. On va tout checker, cette fille. 16 septembre. Attends un peu, on va regarder ça. Faut se réserver une couple de jours d'avant pour monter. Ouais, On prend l'avion. On prend l'avion. Samedi, mettons, on part vendredi soir. Là. Moi, je peux conduire en masse. Ah, puis c'est à la fin de mes vacances. Je vais voir ce que... Je vais voir ce que. Parce que on aimerait. Je vais voir si. Je pense que je suis correct. Parce que moi, je suis en vacances, mais ma blonde ne l'est plus. Parce que si ma blonde est en vacances. Non, là, tu peux pas. Non. Hey, c'est ça, hey je parle une belle fin de semaine. Ça fait des années. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Je pense qu'on a réussi une fois à se booker. Ça fait 7 ans. 3 jours. Ouais, ça va faire 7 ans en juin. Ouais. Mais là, tu sais, si on enlève les bouts où est-ce qu'on était, on n'était plus ensemble. Ça fait 6 mois. Il reste. Il y a un cumul de 4 ans, à peu près, là. Elle a l'air vraiment cool, ta blonde. J'espère un jour. Elle boit-tu pas mal de vino? Non, elle boit juste de la Black Label, passe bas. Elle aime les. C'était quoi? C'était-tu les petits cognacs? Oh! Genre des petits cognacs, des affaires, là. Tu sais, des petites. Des forts avec du miel, puis des affaires dans la main. Ouais. Ouais. Ça, elle aime ça, mais je l'ai jamais vu. Elle vire pas de brosse, par exemple. Tu vois, y en payer un. Elle se pique, mais rien d'autre. Ouais. Captain Space Bar, il dit là 7 ans. Yann disait qu'il aimait faire de la randonnée en montagne. Ah oui. C'est-tu vrai? Yeah! C'est parce que, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un sur Tinder, là, c'est genre, elle me disait, moi, j'aime ça, prendre des marches, faire de la... Elle faisait de la course dans ce temps-là. Elle disait, faire de la course, puis faire des randonnées en montagne. Puis là, moi, je la trouvais cute. Fait que là, je faisais, moi aussi. Randonnée en montagne. Je fais plein de randonnées en montagne. Je tripe, je suis un athlète de haut niveau. Je tripe bien raide. Je suis bien sportif. Oui, moi, les montagnes, j'aime ça gravir des montagnes. Chaque dimanche au tam-tam. Là, 2-3 fois, puis elle n'en pouvait plus de m'entendre chialer. Mais pas vrai, là. Moi, marcher en montagne, je comprends. Courir, là. Faut être obligé, je pense. Tu sais-tu à qui tu dis ça? Aimer ça, là. Je comprends pas ça. Moi, je m'étais inscrit à Rencontre plein air. Plein air? Ouais. C'était juste du monde qui faisait du plein air, puis. Que tu devais fitter là-dedans. Ça doit tout être du monde avec des cuissards, puis. Ils ont tous des Vaux, le wagon, avec des racks sur le top. Ils ont tous des stations avec un timbre. Mais ça vient marcher. Ils ont un petit bonhomme. J'étais parti avec une fille au Mont-Am. Dans sa station. Puis il y avait des. Dans ce temps-là, il y avait des igloos. Avant, maintenant, ils ont des prêts à camper, mettons, été comme hiver, mais l'hiver faisait des igloos. On avait été là. Asti de mauvaise idée, elle a jamais voulu se coller. Tu t'en vas là pour ça, Chris va faire fret, là. Non, elle a jamais voulu. Ça avait été long, ça. Chris, ça avait été long. Puis là, c'était au début du, le véganisme, pis tout ça, il était pas populaire, tu sais. Puis moi, j'y avais pas demandé pantoute, là, tu sais. Il avait amené des saucisses. Mais j'avais amené juste des saucissons, du fromage puis du pain. Ah non, ça n'avait pas été ma meilleure. Ça fait que c'est quoi, à manger du foin? Non. Manger de la neige. À chioler. Puis on avait fini par se prendre des bâtons là, à l'accueil. Ça avait été plate, ça. C'était long. Là, je tiens à dire, mon père vient de me donner de la merde à cause que j'ai chié un peu sur la course.
Il dit la course, c'est juste pas pour les vaches. Il m'envoie un bonhomme fuck you. Ton père, il aime ça, la course? Mon père, ben là, il peut plus à cause qu'il y a les hanches funny raides. Ben oui, c'est une hanche artificielle, puis l'autre devrait l'être, mais c'est une bonne intervention, pareil. Là. Il trente un pied sur de long dans le fémur. Là. Oh! C'est comme une bonne job. Il s'en est fait faire une, puis là, ça ne tente pas de se faire faire l'autre, mais il y a. Pat, explique-moi les dents, t'as fait combien de marathons? Je pense que t'en as fait genre. Plus qu'une quinzaine. Ah ouais. De marathon, là. Mon père aussi. Faut vouloir. Mon père, il va m'enterrer. Tu sais, il est plus en forme. Crime, t'aime bien. Il va m'enterrer. Mec, il me voit, il m'enterre. Mais tu sais, il a fait de la course toute sa vie, des arts martiaux toute sa vie. Là, il s'entraîne dans un gym, tu sais. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais suivre mon père. Fait que là, je m'étais entraîné deux fois. J'avais fait le tour du bloc, puis là, j'avais fait « OK, je suis prêt ». Fait que là, je voulais faire... Mon père, il s'en allait faire un marathon. Mon fait Dieu! Que... Fait que je le suis. Mon Je dis « Je vais aller faire le marathon avec toi ». Il dit « Yann, t'es pas entraîné ». Ben oui, je me suis entraîné. Là, ma mère a fait « Il s'est entraîné. Il est au tu vas l'amener. Ah ouais. Je m'en vais faire ça en jeans, puis en loafer. » Ben voyons. Un génie du crime, toi. Je voulais faire la course, je voulais faire le marathon, mais je voulais continuer d'être beau. Puis dans ce temps-là, c'était la mode Miami Vice, fait que j'avais mis mon petit kit Miami Vice, puis j'avais couru avec un jean. Wow! T'avais pas fait de la marathon. C'était un demi-marathon, puis je pense que je n'avais marché le trois quarts. Je l'avais fini, mais à marche. À la fin, il donnait une tasse avec une femme tout nue dessus. Avec de l'eau chaude. Félicitations! C'est ça! Il a mis son eau chaude, c'était une queue. C'est un homme! Juste pour rectifier, mon père vient de me le texter, 18 marathons puis 40, une quarantaine de triathlons. 6 mois! Oh, wow! On a fait quand même une coupe. Puis je sais qu'il y a comme des bravo, monsieur Parker. Des bons ben, scores, oui. Mais... Moi, un moment donné, il m'a dit, je sais que tu vas en faire un maintenant, un marathon. Il dit, je le sais, un moment donné, là, la piqûre va te pogner, tu vas vouloir en faire un. Mais ce qui se passe, c'est que moi, si j'en fais un, là, c'est pour pulvériser son record. C'est pour l'exploser, fait que j'en ferai pas. Ah, OK. Ça me tenterait tellement pas, là. C'est long. C'est juste courir pendant... Et courir une demi-heure, c'est correct, là. Tu sais, j'ai fait des 5 km. Courir 5 km en 19-20 minutes. Oh, ben, je pensais le dire ça, 20 ans. C'est à peu près ça. Non, mais tu sais, ça se fait bien. Mais passer genre une demi-heure de course, j'étais curé, là. Mais j'aime le... Moi, c'est parce que j'avais commencé avec ma blonde. On tu sais, quand au début... Là, ouais, début fallait de relation. Tu sais, il fallait que... Là, fallait que je walk the talk. Tu vous protégiez, là. Tu sais, le temps que tu te protèges, là. Ouais, fallait que je walk the talk. Fait que là, j'avais dit que je courais. Fait que, OK, je vais courir. Ah, tu y avais dit? Ouais, j'ai dit, ah, ben là, tu sais, je fais de la course, peut-être pas, mais... En tout cas, j'avais fait la craque. Je marche vite. Fait que je m'étais acheté des souliers, puis on avait commencé, mais je m'étais fait mal aux genoux en pleine vacances. J'avais scrappé nos vacances à cause que je courais mal, puis je m'étais scrappé les genoux bien raides. Je courais trop mal. Puis là, je comprenais pas. Le monde, il disait, faut sur le bout des pieds, puis je comprenais pas. Puis j'essayais, puis ça marchait pas. Tu sais, la marche rapide, tu sais. Ah, j'avais commencé un documentaire ça. Là-dessus, un gars qui fait de la marche rapide. J'ai oublié de le terminer. Terry ça. Fox? Oui. Mon père vient de me texter 2h50 et moins si tu veux ton héritage. Wow! Quand est-ce que tu l'invites, ton père? Mon père, quand ça va fitter, je vais l'amener. Il y a des anecdotes incroyables. Juste sur toi, quand il est allé voir les Olympiques en Norvège, là. Oh shit! J'en dirai pas plus, mais il est allé à des places que. Tu sais, des places que même les athlètes n'ont pas accès. OK. Ben, il était là. Ah, il y a des photos aussi que Jean-Luc Brassard et sa médaille au buffet. Comme, pourquoi t'as pu rentrer là? C'est rien que les athlètes. Comme, ouais, mais tu sais, tu pouvais passer. C'est vrai que dans ce temps-là, là, tu pouvais passer avec ta carte soleil à ben des places, tu sais. Ouais, mais les Olympiques, là, des fois, c'est plus tough un peu. Ouais, mais les premiers jours après, là, ils ont brossé, puis... Il y a ZX Ole qui dit « Check Yann, le hopeless romantique, voyons donc, c'est correct d'être vulnérable et pas savoir. » C'est ça, l'amour, se compléter aussi. Ah ouais. Ouais. Ça veut dire quoi, ce phrase-là? ça veut dire... je sais pas. C'est ça, on... hein? OK. Ah oh, ouais. Ah ouais. Ah oh, ouais. Oh, Fortier. Ah oui. OK, let's go. OK, let's go.
Mais ouais. Hey, je prendrais déjà une petite pause, mesdames et messieurs. Tirer une petite pisse. Ouais, je vais aller me mettre un petit. C'est pas chaud ici. Dispose-toi. Dispose-toi. Dispose-toi, mal à la gorge. Si on a des jelly beans épicés, ça réchauffe. Oh lolo. Ça te réchauffe le tuyau. Je vais me prendre un petit. Je vais aller me reprendre un autre petit verre d'eau. Puis on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation des restaurants Los Polos Hermanos, le poulet le plus délicieux. Nouvelle administration. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que, faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible, yannterriot.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2$, 3$ canadiens, je pense, 3$. 3$ canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6h, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. T'es comme mon boss, t'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yannterriot.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yannterriot.com/Patreon. Adidas Torsion. Ouais, vous êtes là? Oui, est-ce que Suzy est là? Un Big Mac pour Suzy. Ces jours-ci, vous obtenez un deuxième Big Mac pour seulement 25 cents après 16 heures. Invitez un ami à souper. Ben non, Suzy est partie pour la soirée. Ouais. Viens t'asseoir. C'est que... Une énergie positive, un nouveau goût de vivre l'habite. Retraité avant l'âge, il occupe donc ses longs moments de loisirs par la promenade, le golf, ou encore il s'adonne au bricolage et à l'entretien de sa maison. On le dit très serviable et doux. Il recherche intensément présentement une compagne avec qui il pourra partager cette nouvelle énergie retrouvée. Compagne qui l'assistera bien sûr émotivement dans sa démarche vers la réhabilitation. Il souhaite donc une relation basée sur la compréhension, l'amitié, la franchise, c'est important à mentionner, ainsi que la complicité avec une femme âgée entre 35 et 45 ans. Celle-ci sera honnête, franche, douce et bonne. Adepte du dicton, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il prévient cette future amie qu'elle devra aimer et aussi se laisser gâter.
Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness. Hey, tu me racontais de quoi? Rickard, il veut se battre avec tout le monde, quoi. Il veut aller n'importe qui, n'importe où. Il va aller mettre les gangs, vous autres, se préparer pour son combat. J'ai aucune idée. Il charge pas 5 piastres. S'il charge 5 piastres, on va le payer. C'est 5 piastres. Pour se battre avec Rickard. Je le sais pas. Ouais, il se prépare pour un combat. J'en ai aucune idée. C'est ça. C'est pas lui que je suis le plus, là. Faudrait que je le rajoute. C'est sa conjointe que je suis, Guylaine. Guylaine? Il voulait revenir. Il voulait. C'était quoi? Il m'avait dit qu'il y avait. Oh. Je serais pas là, moi. Il y avait. Amène-les pour faire du sparring chez vous. Moi, le geler dans le bunker. Il voulait m'amener une fille qui donne. Son corps. Je sais pas c'était quoi, mais je trouvais c'était intéressant. J'ai fait comme ah, cette fille. Mais là, je venais de recevoir, puis je voulais un peu espacer les affaires de OnlyFanners puis de Pornstar. Là, ça fait un petit bout. Ben oui. Je pense que je pourrais. Ça t'en prendrait une, madame, qui se rende des hamsters dans le cul. à vous pogner ça. En fait, Hélène Boudreau. Oui. Hélène Boudreau essaie de faire à croire qu'elle s'est faite kick-off d'une banque parce que. À cause que son métier, c'est influenceur. Puis là, elle essaie, tu sais. Ben voyons. Non. Ça veut dire qu'elle s'est fait refuser un prêt à cause que. Non, elle s'est fait fermer un compte. Fuck off. Ça se peut pas. Elle a montré la lettre, puis elle s'est vraiment fait fermer un compte. Mais l'affaire, c'est qu'elle arrête pas de dire à cause du métier que je fais, puis elle arrête pas de se victimiser de même. C'est vrai qu'on la voit partout sur Pornhub là, de cet incite, là. Ah ouais? Oui. Dans les annonces, là. Ben, c'est mon cousin qui m'a dit ça, là. C'est pas moi, là. Mais ouais. Mon cousin, là. Ton cousin, Pierre. Mon cousin, là. Il m'a dit, hey. Faf, là. Non. Ouais, c'est ça. On la voit partout, là. Elle a fait un film qui a été produit par un producteur de porn, là. Oh, pas, Lord of the Cock Ring. Ouais. elle a filmé avec Johnny Sins. Ah, ça se peut. C'est son chum, je pense, ça. Johnny Sins. Johnny Sins, c'est pas le gars qui est un mime, là. Je sais pas. Mais pour en revenir à ce que je disais, c'est comme. Là, tout le monde, c'est genre. Ah, tu sais, elle essaie de faire passer, genre, que les travailleuses du sexe ou les influenceurs sont victimes de ça, mais c'est parce qu'il y a juste elle, comme influenceuse ou comme porn star, qui s'est fait sortir d'une banque. Fait que c'est pas à cause de. Tu sais, puis c'est pas. Ils te sortent pas à cause de ton métier. Ils te sortent parce qu'ils ont des red flags, tu sais. Ouais. Mais ils te sortent pas parce que t'es influenceur. Il y en a plein de styles d'influenceurs sur la planète Terre. Ils ont de l'argent. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Exactement. Fait que c'est un red flag. Fait que, tu sais, c'est soit qu'elle fricote avec la mafia ou on ne sait pas trop. Ben, tu sais, son histoire de 42 000 piastres qu'elle s'est fait voler par sa voisine qui venait s'occuper de ses chats, là. Ça, elle a tout le temps une histoire. Ça c'est 42 piastres cash. 42 000? Chez eux. 42 000, je crois, 42 piastres. 42 000 qui traînaient chez eux. À part un voyage. Vous avez pas ça chez vous? Non. Chris, non. Mais ouais. Des pauses. C'est 42 000 qu'elle s'est fait voler en argent. Fait que la police, c'est cash. Oublie ça. Les assurances, c'est cash. Oublie ça. Tu peux pas. Fait que c'est louche. C'est louche. Non, c'est tout le temps dans des affaires de même. C'est tout le temps des affaires un peu exagérées ou qui sont. Ça fait pas de sens. Puis elle synthétise tellement les histoires. Tu fais comme c'est weird. Ça se peut pas que ce soit juste ça. Puis encore là, elle fait tout ça pour le buzz. Parce qu'à date, le buzz pour elle, ça a toujours été payant aussi. Ah oui, c'est sûr. Ça c'est a toujours sûr. Été payant. Tu sais, une semaine, c'est la banque. Hey, c'est à côté des gommies, c'est-tu rien, ça? Là, on veut des enfants. Là, c'est la nouvelle affaire. Parce que la clique du plateau est payante pour la clique du plateau. À chaque fois qu'elle fait de quoi? Elle veut des enfants? Puis là, elle a décidé qu'elle voulait peut-être des enfants. C'est comme, non, fais pas ça. Ça doit être comme... Elle n'aura pas de misère à accoucher. C'est comme la fille ça qui s'est fait refaire le nez en disant « J'aime pas mon nez, je veux pas que mes enfants l'aillent. » Tu sais. Ça doit être le même genre de... Il y a une fille qui a fait ça. Ouais, elle a fait faire son nez, puis ça a passé là. C'était ça, là. C'était, elle a fait refaire son nez croyant que ça allait... Le gène du gros nez allait pas passer. À partir du moment où, voyons donc, ça raison, elle, le chromosome gros pif, il l'enlève. Ah, c'est ça que des fois, là. Que c'est ridicule. Les crêpes, ça abélène les enfants, là. C'est important. Faut pas ça. Non. Ça, là, ça a le droit de vote.
Oui, non, c'est ça. Faut pas faire des enfants. Faut pas faire des enfants. Arrêtez de faire ça. Hey, on y va-tu avec les chroniques? Ben oui. Payez ben avec oui. mon newsreel. Ouais, avec le newsreel. C'est la chronique à Will, mesdames et messieurs. Tapeuse, il est où, Will? Ah oui, puis après mon newsreel, il y a une nouvelle que je veux qu'on lise. Mon nouveau surnom, c'est Titos. Titos, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste nul à chier. C'est quoi ça? C'est nouveau? C'est le nouveau jingle. Ah, je vais changer de voix. OK. C'est juste nul à chier. J'aime vraiment ça. Fait que c'est quoi? C'est un newsreel. C'est mon newsreel que je t'ai envoyé. Est-ce que tu l'as reçu? Ouais, je l'ai reçu. Y a-tu de l'audio dedans? Non, y a pas d'audio. Ah, non, me fait chier. Bon, ça fait plus d'audio. Ah. Voilà. Et c'est le newsreel de WFA. Will, mesdames et messieurs. Si, ouais. Mon Dieu, je les ai tous croisés. Chafa Will. Chafa Will. La chier. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes le 23 mai 2023 et bienvenue aux nouvelles du Daily Buffer Podcast. Première nouvelle. Tu l'as-tu, Yann? Oui. Crime. Excuse-moi. Vas-y. QS. Festival Métro-Métro 2023, voyez les plus beaux looks de vos influenceurs préférés. À la suite du festival, les influenceurs ont pris le temps d'embrasser la cause de l'hypersexualisation des jeunes. Tout en ayant les grandes lèvres et les glands visibles dus à leurs shorts trop courts. Prochaine nouvelle! Deuxième nouvelle. Congrès du Bloc, la conversion souverainiste de Jérémy Gabriel. C'est à Pauline Marois qu'il attribue l'origine de ses sentiments. Eh bien, je suis fier de le dire que je suis de retour dans le fédéralisme. Prochaine nouvelle. Troisième nouvelle. Il retrouve un iguane enragé dans sa toilette. Hey, le cul de Faf s'améliore pas tant que ça. La quatrième, c'est ma préférée. Quatrième nouvelle. Une collision frontale fait un mort en Mauricie. À la suite de cette collision frontale qui a fait un mort, à Montréal, une collision rectale a causé un heureux. Oui, ça m'a fait beaucoup rire. Cinquième nouvelle, un cycliste entre en collision avec un ours et subit plusieurs blessures. T'es-tu sérieux? Pourtant, il y avait un casque. C'est-tu une vidéo? Je pense que oui. Ah ouais? Mais je sais pas, je pense que oui, mais on ira voir tantôt. Ok, prochaine nouvelle. Sixième, t'as pas, je vais juste me le noter. Ok, on va le voir tantôt, ici. Sixième nouvelle. Malgré les inondations, les touristes sont au rendez-vous dans Charlevoix. En effet, les touristes affluent dans Charlevoix. Parmi les personnes rencontrées lors de notre micro-trottoir, personne ne semblait avoir de problème avec la situation. Selon Mme Lorraine Tremblay, l'idéal, c'est de troquer les talons hauts pour des palmes et ça fait bien la job. Prochaine nouvelle. Septième nouvelle, je vous avertis, tantôt on va aller le voir parce qu'il n'y a pas de punch à ça, je voulais juste la mettre. Le PQ veut accéder aux archives sur le camp du non. Ça, on va aller lire ça tantôt. C'est sérieux, c'est une bonne idée puis ça m'intrigue. OK. Prochaine nouvelle. Parfait. Prochaine nouvelle. Huitième nouvelle. Je suis le Sugar Sammy francophone. Non. Article écrit par Richard Martineau. Ah. Richard. Comment je peux bien t'expliquer que non? Prochaine nouvelle. Neuvième nouvelle, le gag chien s'en vient. Un acteur de l'univers Marvel s'éteint à 58 ans. Malheureusement, ce n'est pas Andrew Garfield. C'était l'homme torche et c'était éteint. Tiens. J'avais pensé, mais je me suis dit, personne va voir le référent. C'était tellement mauvais comme film. Dernière nouvelle. Bianca Gervais subit une métamorphose et les fans sont choqués. En effet, Bianca Gervais s'est transformée en Bianca Lompré. C'était mon newsreel pour cette semaine. C'était le newsreel. Voyons encore. Sacré fils, m'a arrêté ma vie en vert.
M'ennuie de Faf, ça paraît-tu? Mais oui. T'es bien tout seul. Ben ouais, cette fille. Mais ouais, on va voir un cycliste. Un ours, cycliste ouais. Entre en collision avec un ours. Tabarnak, ça doit faire mal à un ours. Parce qu'un ours, ça bouge pas, là. Non, c'est, ben, pour vrai, il va arriver vite pour faire comme oh shit, il y a un ours. Oui, c'est ça. Fait que là, hey. C'est... Non. Range ton ours, le chinois. Ouais, c'est ça. Un ours. Attends un peu. Un cycliste entre en collision avec un ours et subit. C'est sûr que c'est drôle, ça. C'est nouveau. C'est des idiots. J'espère qu'il y a une vidéo. Je pense pas. Non, il n'y a pas de l'air d'avoir. Fuck. On voit un ours. Putain. Fuck. Oh. Ça aurait été génial. Ça aurait été bon, il se filme. Hey, je vais rentrer dans l'ours, là. Non, puis on va aller voir une autre nouvelle, Yann. Le PQ veut accéder aux archives sur le camp du nom. Ah, ok, t'as peu. Le PQ veut accéder aux archives sur le camp du nom. Aux archives sur le camp du nom. Sur YouTube, il y en a plein de vidéos assez drôles avec des ours, par exemple. Yugi? Puis des cyclistes, il y en a, mon gars. Même la CAQ, ils sont d'accord avec ça. Je pense qu'il y a à peu près juste les libéraux qui sont pas d'accord. Le Parti québécois veut savoir ce qui se cache dans les archives de la commission Grenier qui a enquêté sur le financement du camp du Nom lors du référendum de 95 et demande au gouvernement Legault de déclassifier tous les documents qui font encore aujourd'hui l'objet d'une ordonnance de non-publication. Dans un communiqué publié lundi, Journée nationale des Patriotes, le chef de la formation souverainiste, PSP, a affirmé avoir obtenu un avis juridique qui confirme que le gouvernement du Québec peut, par simple loi, déclassifier toute l'information obtenue dans le cadre de cette enquête. On sait qu'en 95, des dizaines de milliers de personnes qui n'avaient pas le droit de voter ont voté, mais on ne sait pas exactement combien de millions de dollars ont été dépensés de manière illégale du côté du non. Une partie de la réponse se trouve peut-être dans le témoignage et les documents de la commission Grenier, a déclaré le chef de parti en entrevue lors d'une marche qui se déroulait à Montréal lundi pour la Journée internationale des Patriotes. Ça m'a intrigué, ça. Parce que moi, j'étais pas né. Hein. C'est deux ans avant ma naissance. Ouais. Là. C'est sûr qu'il y a eu de la crosse. Là. Tu peux pas arriver aussi proche. Non, j'y crois pas. Ça doit être lié avec le scandale des commandites aussi, là, de Jean Chrétien et toute la patente. Là. Ils ont tout D'après moi, deux pays, je le sais pas. Hein? On doit être un pays pour le savoir. Ouais, c'est ça. Mais ça se peut en crif, parce que s'il y a beaucoup de monde qui n'avait pas le droit de voter et qui ont voté, c'est sûr que Chris, ça a fini combien? 49 points. Ouais, c'était trop proche. Ouais. Moi, je pense, je suis pas super. Je suis pas, conspirationniste, mais ça. Je pense que. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, il y a eu le scandale des commandites qui c'était ça là, tu sais, c'était de la grosse collusion, pis c'était de l'argent qui était utilisé pour essayer de tu sais, puis ils payaient du monde pour c'est drôle, moi j'étais à j'habitais à Hull, j'étais aux études dans ce temps-là à Hull. Okay. Puis il y avait du monde sur tous les coins de rue des Anglais avec des pancartes Don't separate, puis tatata, we love you, hostie, ouais, vous nous aimez aujourd'hui, mais le reste du temps, par exemple, tu sais. Ouais, c'était pas que l'affaire, ça. Il y a Rosalie qui dit c'était en 95, c'est loin, peux-tu décrocher? Oui, puis non, parce que ça en dit beaucoup, puis Wadney, c'est important, puis c'est important pour pas qu'on se ramasse dans 10 ans, dans 15 ans, se dire, finalement, le COVID, là... Hey, Rosalie, pour vrai, elle dit une chance que... Là, Rosalie a dit une chance que les Allemands ont décroché de leur idéologie. Sacrement, Rosalie. C'est... Les analogies nous la chier, tu gardes le soir. Oui! T'es tombé dans la bière à ton frère. C'est ça, elle était... Chris, monsieur Rochon, t'as serré trop fort ou passé trop proche du mur, certain. Mais le pire, c'est que, tu sais, moi, je suis zéro séparatiste, là. Ça coûte, je sais pas, ça coûte une purée, je sais pas. Mais, ben. Je sais que ça a été un petit peu croche, la manière que ça a été mené. Tu sais, juste avec le scandale du commandite, on peut dire, les péquistes peuvent dire qu'ils se sont fait voler. Il y a eu vol. Il y a eu vol. Et Jean Chrétien, un saint homme. Ah ouais, ben oui. T'aurais-tu voté pour la séparation, toi, Will? Dans ce temps-là? Ouais. Dans ce temps-là, oui.
Ben? Oui, je pense que oui. Je suis certain que oui dans ce temps-là. Ben, aujourd'hui, ça serait plus difficile, je crois. Ah ouais? Ouais, moi, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé qui nous gouvernerait en tant que nation, là, j'y crois moins. Ben, PSPP? Mais lui, c'est pas un mauvais... je pense que c'est un entre-deux, lui. Ouais. Tu sais, je pense que lui, il va peut-être mener à quelqu'un qui va gérer, mais qui va avoir un... j'ai failli dire une tête, ses épaules, ses chiens, là. Mais une, tu sais, à cause, il est vraiment intelligent, le gars, mais je pense que c'est un bon deuxième. Ouais, il n'y a pas le. Il n'y a pas le charisme. Il n'y a pas de charisme. C'est pas un. Mais il est bon en chambre, il est bon, mais. Il en manque un petit peu, là. Ah, manque, des fois. Il manque un. Tu sais, un petit Bernard Drainville, là. Il pleure pas assez à mon goût. Drainville, il est tellement racoleur. Ce qui est bon, c'est mon meilleur. Là. Il est mon oncle racoleur. Là. Moi, quand il a pleuré l'autre jour, là. Ah, Infoman l'a tellement bien eu, là. Ah ouais, ah, c'était bon, là. Ah, j'aurais dû pleurer, tellement... Alors, je pense que je vais regarder Infoman il y a deux, trois semaines. C'était bon, là. Juste, ben oui, Bernard a pleuré. Ils mettent la cote longtemps en noir et blanc. Tellement, là. Du crise de racolage. Il est de même, Bernard Drainville. Tu sais, c'est ça, tu sais. Il joue tu sais, il fait du mauvais spectacle. C'est du mauvais théâtre, là, tu sais. Là. Oh, c'est en tout point comme Justin Trudeau. C'est pareil. C'est en tout point comme Justin Trudeau, là, tu sais. Il n'y a pas de défaut. je le trouve bon, là. Puis il était bon, en plus, quand il était plus en politique. Des médias, il était bon. Moi, quand il faisait les revues avec Infoman, là, parce que je n'écoute que ça, là, il était bon. Il était pas... Il faisait des Miss candidats, puis il a-tu été élu, il a pas été élu. Il était bon, il passait bien, puis tout. Mais là, la cassette a rembarqué. Pis ça a pas pris de temps, là. Ça a pas pris 3 secondes. Ouais. À radio, il était racoleur, mais il était pas. Tu sais, quand il connaissait ses dossiers, mais là, c'est comme... là, il est devenu... Mais c'est tout ça, tu sais. Un que je serais curieux de discuter ou peut-être entendre en podcast, mais que c'est peut-être le gars le plus ennuyeux de l'histoire de l'homme, là. Stéphane Dion, là. Ouais. Lui, il connaissait ses dossiers, ouais. Mais il était dol longtemps. Là. C'est l'homme avec le moins de charisme. C'est comme le Ned Flanders de la même politique. Même pas. On sait pas c'est quoi son défaut, mais il tape ses nerfs de tout le monde. Mais il était bon, là. Lui, en débat, là, lui, il était solide. Là. Ah, je me il connaissait pas. Ses affaires. Mais sacrement, il avait le charisme d'une mouche à fruits. Il était pourri. On a Rox qui nous dit « Patouf est revenu en live ». Ah, Patouf est revenu en live. Patouf, ouais, mais ça va être... Ouais, non, ça va être trop long. Là. Ouais, ça va être il y a Bobu long. Qui demande ouais. « Tu me donnes le choix entre Manon Massé et Trudeau ?» Ben moi, si tu me donnes ce choix-là, je vais vivre au Mexique. si c'est le seul choix qu'on... Si c'est le seul choix qu'on... Pour vrai, on n'a pas grand choix, là. Non, je le vois pas. Poliev, il est pas loin, ça fait pousser une petite moustache ici, là. Oui. Voilà, il y aurait une petite moustache ici, avec ses cheveux noirs de même, là. Ah, c'est ça que je déteste de la droite, c'est qu'ils sont tellement mal représentés. Ils sont représentés par des... colons, hostie, tu sais. Du monde qui vont tout le temps... Ils sont représentés par du monde qui vont... Qui sont... Tout le temps trop. Tout le temps moi, j'ai trop. Hâte ouais, tu sais, Poiliev, trop. Duhem, un peu trop. Tu sais, puis beaucoup de malhonnêteté dans ce qu'ils disent puis dans ce qu'ils sortent, là, tu sais, là. Moi, je veux un Trump au Québec. Hey! Je vous explique pourquoi, bon. OK? Je vous explique pourquoi. Moi, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui est en business. Qui a géré son argent. Là. Pas l'argent d'une municipalité, pas l'argent de ci, pas l'argent. Le go. Mais des vrais. Ouais, le go. Mais. Chris, le go, mais il veut pas millionnaire de je veux de pas. Lui, tu sais. Je veux un cabochon, moi. Je veux un cabochon qui va faire bouger les choses qu'on voit si simples, là, tu sais. Qu'on a l'impression, Chris, les infirmières, on peut-tu les payer, là? Ouais. On peut-tu leur faire un horaire qui a du bon sens, là? On peut-tu. C'est quoi qu'on attend, là? Tu sais, je veux dire, les routes, OK, ça, minimum, ça peut passer, là. Mais tu sais, il y a bien des dossiers. Moi, je veux un cabochon qui arrive. Bon, dans 2 ans, on règle ça. Ça va nous crisser dans la merde financièrement, mais on va régler ce problème-là en premier. Tu sais, c'est quasiment de même. Qu'on arrête de voter pour... Il y en a un qui dit Guy la liberté. Hey, Chris, non. Hey, la Saint-Jean, il y a du monde qui serait poignassé.
On va tout en savoir. Tu vas dans l'isoloir, t'as un petit sac. J'aimerais ça le recevoir en podcast. Il devrait venir en podcast. Là, ça, il fait de la musique, là, il fait du house. Puis sa musique est bonne. Là. C'est sérieux? Vraiment bon. Sa musique est vraiment bonne. Mais c'est lui, bien produit. Lui, c'est un bien entrepreneur, le gars. Là. Ouais, il ouais, mais quelque chose. Mais là, il est parti sur une. Il est parti sur une frippe. Il est tout le temps. Il a de l'air gelé. Puis là, ben, tu le vois dans son espèce de. Dans son espèce de paradis sur terre, Calis. Tu sais, il est sur le bord de la mer. Mais là, il y a une grande table, genre de 18 personne, mais il y a juste des toutous d'assis. Puis là, ben, il mange, il boit avec ses toutous, puis il a de l'air d'un... Il a de l'air... Mais ça, c'est un méchant de film pour enfants, ça. Il est en train de se transformer en Gérard Depardieu, là. Tu sais, là, il parle la même, puis tu vois... Tu sais, c'est Guylaine Gagnon qui a trop d'argent. C'est littéralement Guylaine Gagnon qui a trop de l'air. Il a de l'air fatigué, wow. Guy. Mais qui se transformera en Gérard, là? Il semble que t'as le meilleur des deux mondes. Ah ouais, ouais. Mais j'aimerais Gérard ça Depardieu l'avoir ici. Hey, Chris, mon gars. Là, Gérard Depardieu, il vient d'avoir, je sais pas c'est combien d'accusations. Ouais, c'est ça, ça va moins ouais, bien. Ça va pas là, bien. Ça va moins bien. À la place d'être tombé dans la potion magique, la justice lui est tombée dessus. Parce que pour vrai, Gérard, ça va moyen. Mais pourtant... Il y en a un qui dit que c'est un clown à la base. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Quand on y pense. Mais Gérard, pauvre Gérard. Y a-t-il quelqu'un qui est surpris? Ben non, y a personne. Y a personne. Fais-moi un portrait robot dessine-moi le portrait type d'un agresseur sexuel. Ben, je vais te dessiner Gérard Depardieu, Chris. T'sais, gros soulon. Tu l'as dessiné là. Mais le pire, c'est que tu le vois en entrevue, là, c'est le plus misogyne des hommes. Là, tu sais, là, Chris, parle aux journalistes. T'as rien qu'une petite pute, toi. L'as-tu vu le montage de quand tu dis l'avais petit oui, journal? C'est ça. Petit journal, salope. Je t'encule. Je t'encule, petit journal. Tu vois. Il y a une journaliste, elle demande. Elle demande. Alors, vous avez fait quelque chose pour votre fils? Ouais. Il dit oui, il le mérite. Il dit qu'est-ce que ça fait? Il dit qu'est-ce que ça peut te faire, salope! Ça, tu pourrais l'avoir. Y a-t-il quelqu'un qui peut le retrouver? On l'avait fait jouer ici. Ouais, bon, on l'avait fait jouer ici, mais je pense. C'est un meilleur moment de Gérard Depardieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous l'envoyer, s'il vous plaît? Parce que quand tu files mal, écoutez Gérard. Ah, ouais. Y a rien qui te remet plus douette. Un gentleman. Todd Marde qui dit. Mais pour vrai, là. Todd Marde. Mais le pire, c'est que t'es un Christy de bon acteur, mais. Y a juste ça, t'sais. Ouais, c'était. Parce que là, Gérard Depardieu insulte une journaliste. C'est le premier, je pense. C'est le premier, c'est le premier. Ouais. Ben, ah, puis après ça, il y a Gérard Depardieu n'aime pas grand monde. C'est le deuxième, mais semble. Mais... On va écouter celle-là. Je ne sais pas ce qu'on a servi. Qu'est-ce qu'on a servi? C'est bien dangereux, ça, non? Hey, t'as tout qu'un pif, hein? Ah, vous allez me foutre la paix, quand même. OK? Même si vous êtes joli. Santé, M. Depardieu. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me fait bon, OK? Merci, les gars. Il y a moyen de retirer les micros de vous, pour une image? Et quel regard vous avez sur la politique française? Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas à ce qu'ils voulaient. Il est en conférence de presse. C'est pas vrai, c'est quoi cette maladie? Voilà, merci beaucoup. Merci si vous pouvez tous sortir, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer dans le chat, Gérard s'en bat les couilles. Tu Raël, ça? Es-tu Raël? On aurait dit. S'il vous plaît. Ah, imagine, ça serait Raël. Imagine, faut tu le gères. Imagine la petite madame. Yann, va checker dans le chat, il y a quelqu'un qui a envoyé... Un lien, Gérard s'en bat les couilles. Gérard s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai que le système Star est big en France aussi. Ah ouais, vraiment. Là, faut... Quand t'es une star en France, t'es une vraie star. Là. Ouais. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Yermat. Yermat. C'est votre premier haggis. Ce sont des abats de mouton. Très bon, ça. It's beautiful. Ouais. Ça, c'est des méduses. Mais ça se bouffe? Ça doit être bon à manger un phoque. Si on avait découpé une vache. Tchap, 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 tchap. Au hachoir.
mangé une, moi. C'est sûr que t'as soif aussi. Aussi, les deux. Le whisky est 100% écossais. Et c'est nous qui l'écrivons correctement, avec un Y à la fin. Slantje. Santé. C'est du 43 degrés. Il est bien fort. Good food. De la bonne cuisine. Good. Et de la bonne humeur. Crack, as they say. Les joies du paradis. Ah, c'est pas ça. C'est... Attends, non, c'est je pense que c'est l'autre, là. C'est celle-là, ici, là. Ça, là. Mais ça, mais ça c'est pas ce fond-là. Plus russe que français avec le président qu'on a en France. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais je veux pas faire de politique ici. Gérard n'aime pas grand monde. Même quand les Français donnent, l'État leur prend 70% ou 60% des choses. Ça ne donne pas tellement envie. Surtout dirigé par un bonhomme qui se fout de la gueule du monde. Autant vous dire tout de suite que je n'aime pas Daniel Cohn-Bendit. Je n'aime pas les écologistes, car ils ont fait de l'écologie un mouvement politique. La France est triste. Vous jouerez Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai ? Mmh. Oui, parce que je l'aime pas. Je n'aime pas trop les Français, d'ailleurs. Surtout comme lui. Il est très français, Dominique Strauss-Kahn, pour vous ? Pourquoi ? Très. Il est arrogant, il est suffisant, il est... jamais été ému. Mais c'était pas ça, c'est pas ça. C'est quoi ? Il faut le retrouver. Non. Quand vous envoyez des vacheries, vous les envoyez. Hein. C'était Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. Vous avez comme ça des flèches. Hein. Gérard Depardieu, écris Gérard Depardieu, salope. D'après moi, tu peux le trouver, ça. Il ne s'envoie pas. Depardieu. Il se l'envoie lui-même. Il se l'envoie. Oh, je pense que c'est ça. Ah, c'est le premier. Dérapage. Chris, il y en a plein. Mais Gérard Depardieu, sa vie est une chire, là. Fait que... Depardieu dit toujours ce qu'il pense et il n'hésite pas à insulter les journalistes quand ils s'immiscent dans sa vie privée, comme ici lorsqu'une journaliste évoque la mémoire de son fils. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi non, ce pourquoi film? Tu veux que je t'en parle, bah, salope. Ça drôle, il part à rien. Ah, ouais. Bonsoir madame. Pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Mais c'est tellement bon. Il est tellement fier! C'est gratuit, là! Qu'est-ce que c'est drôle! Journaliste quand il s'immisce dans sa vie privée, comme ici lorsqu'une journaliste évoque la mémoire de son fils. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils? Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi non, ce pourquoi film? Tu veux que je t'en parle, salope? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit Gainsbourg aussi est quelque chose. Ah ouais! Elle est française. C'est quoi le chat? Quel roi? Dis-les donc, c'est quoi qu'il a fait? Gainsbourg aussi est quelque chose. Attends, on va le regarder. On va... Gros mot. Ouais, sacré Gérard, hein? Sacré Gérard. Chris, il a passé à sans limite. Oh shit! On va aller vers Rouyn-Noranda sur les ailes de Beden Air. C'est bon, mon délire, un peu. C'est tout ce que j'ai. La vedette s'est sans doute bien passée puisque Gainsbourg a même baptisé Raymond d'un petit surnom affectueux, celui de Ducon la Joie. Allez, Raymond, raconte-nous ça. Oui, j'aurais pu me raser très bien que c'était liste. Ici, là, Raymond Baudouin, là, juste avant de partir pour la Vitivitivisquamingue, on s'en va à Rouyn au Festival du cinéma. Bienvenue à bord du vol 3505 en direction de Rouyn-Noranda. Il ne devrait pas y avoir de problème, sauf Raymond Baudouin. Ah, vous êtes là? On est bien soyés, hein, parce qu'on nous a servi un joli déjeuner, là. Joli muffin, non? On va attendre un peu avant de le manger. Ah, la BTB, Rouyn-Noranda, là. Et comme la tradition le veut, bien évidemment, le baiser habituel. Là. Oh, concassé 72. Ah, les plaisirs de l'accueil en région. On est en compagnie. Qu'est-ce que c'est? Attends le moineau au sort. Ici, là, vraiment au doigt, là, on vient tout juste d'arriver, on débarque de l'avion, on est au Festival du cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue et on s'apprête justement à voir le film de Serge Gainsbourg. Allez, bon. Et le fils? Monsieur, j'ai envie d'aller pisser. Non, je veux pas le savoir, hein, t'as qu'à te retenir. Et caca aussi, monsieur. Ah, ben, justement, le film de Serge Gainsbourg vient de se terminer et on va aller le rencontrer. Tous les délires. Et enfin, on le rencontre, notre ami Serge Gainsbourg. Serge, ça va bien? Ah, mais chier. Ouais, c'est ça.
un nouveau film, tout ça, ça va bien. Et moi, j'aimerais, on sait que vous êtes, bon, connu au Québec, là, mais on me souvient, là, à l'époque, là, vous, étiez, vous avez déjà chanté la Marseillaise en version reggae, OK? Oui. Puis, oui. Vous avez failli vous faire assassiner à l'époque, hein, c'est vrai, ça? Exactement, comme il dit. Voilà. Alors, pour vous faire connaître au Québec, pourriez-vous chanter un petit bout du Haut-Canada en version rap? Et mon cul, c'est du roi ou c'est quoi? Au Canada, ça commence par au Canada. Un cabane au Canada. Qu'est-ce que ça? Hey, souris. Chut. C'est que c'est malade, ça! Il y a juste un rasoir dans la salle. Je veux et je viens entre Paul Arruiz et du con la joie. Bien terminé, mon cher. Allumez votre cigarette, tiens. Et pas d'honneur à tous les Québécois. Je suis fier de votre passage. Hey, c'est bizarre. Wow, comme t- wow, mais à Julie Snyder, c'est un bizarre. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a pas. Ah, oh, c'est là. Non, c'est pas là. Ça, c'est le. Ah, oh, Stiffy, ça, c'est André Moreau qui disait aux gens de pas être. C'est capote! Hein? Ah oui, ça c'était drôle encore. Hey, on est-tu capable? Ah oui, 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 je me rappelle de ça. Elle s'est excusée de ça. Mais c'est pourtant. Oui. Vous dites toutes sortes de choses, mais on dirait jamais qu'il y a une profondeur dans ce que vous dites. C'est peut-être parce que vous en manquez. C'est parce que je ne la saisis pas. Le semblable est connu par le semblable. D'accord. Vous savez, on projette beaucoup vous, de choses dites... sur les autres. Mais vous, vous dites que vous voulez vous rendre inutile, que vous essayez d'être un homme inutile. Je pense que lorsqu'on est utile, on sert à quelque chose. Quand on sert à quelque chose, on est un serviteur. Et quand on est un serviteur, on n'occupe pas la première place. Dans ma vie, je veux occuper la première place. Donc, vous voulez être inutile. Je pratique mon inutilité. Ce n'est pas facile. On se fait constamment récupérer. J'essaie de vous dire ce soir le plus grand nombre de choses inutiles possibles. Ça doit être pour ça que je comprends pas. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est vide, là. Ah ouais. Monsieur Moreau. Elle était bonne dans ce temps-là, vous, Julie. Ouais. Vous avez à peu près 5 femmes, c'est ça? Elle avait de la passion. Beaucoup d'idées. Okay. L'argent. J'aimerais mettre l'accent sur ma pensée. Si j'ai des femmes importantes dans ma vie avec lesquelles je forme un partnership amoureux, polyérotique, ouvert, avec option privilégiée, cela ne doit pas vous faire oublier que je suis un grand penseur. C'est plus compliqué à comprendre que les rires, ça. Bien. Mais c'est plus jouissant. Mais est-ce que vos femmes s'acceptent bien les unes les autres? Elles se connaissent, elles se fréquentent, elles se côtoient, mais elles ont des appartements privés. Et vous, est-ce que vous vivez avec une de ces femmes-là? Non, je me promène. Donc, vous vivez dans un appartement... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un appartement à moi que j'appelle un pensorium et que les mauvaises langues appellent un bézodrome. Et est-ce que vos femmes ont le droit, elles, d'avoir plusieurs hommes? Inévitablement. Vous savez, mes femmes ne sont pas handicapées. Elles ont une libido qui correspond à la mienne. Et mon plaisir est de les soutenir et de les appuyer dans leur émancipation légitime. J'irais même jusqu'à reconduire une de mes compagnes chez son amant. Et si celui-ci veut bien me recevoir et qu'il manque un peu de lubrifiant, jusqu'à lui en proposer. Mais est-ce que vous allez... Monsieur Moreau? Je considère que tout individu qui cherche à se protéger confirme qu'il est menacé. Une caisse de condom ne vous empêchera jamais d'attraper une maladie, car une membrane en caoutchouc Monsieur Moreau, je jamais une mauvaise pensée Monsieur Moreau, de passer. Monsieur Moreau, je m'excuse. Là, ce que vous venez de dire, c'est très grave. Non, c'est quelque chose de joyeux. Car lorsque quelqu'un cherche Monsieur toujours Moreau, sa sécurité, Monsieur Moreau, il risque de la Monsieur perdre. Monsieur Moreau, je m'excuse, mais c'est dangereux ce que vous dites. Vous ne devriez pas vous excuser, mais laissez les autres le faire. Non, mais étant donné que vous n'avez pas l'air de le faire, moi, je tiens à m'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que je n'endosse pas du tout ce que vous venez de dire. Il est heureux. Et moi, je considère que les condoms sont très utiles. The Smoke Pirate. Tu
Regarde là, tu vois qu'elle n'arrête pas de regarder la probablement qu'elle se fait parler dans probablement, la tête, mais Chris qui n'est pas en contrôle, elle trippe pas pantoute. Non, non. Là. Smoke Pirate, il dit, on dirait un start-up de secte. Nous ne nous empêcherons jamais d'attraper une maladie. Ça, c'est tellement fou. Une membrane en caoutchouc n'empêchera jamais une mauvaise pensée de passer. Monsieur Moreau, je m'excuse. Là, ce que vous venez de dire, c'est très grave. Non, c'est quelque chose de joyeux. Car lorsque quelqu'un cherche toujours sa sécurité, il risque de la perdre. Monsieur Moreau, je m'excuse, mais c'est dangereux ce que vous dites. Vous ne devriez pas vous excuser, mais laisser les autres le faire. Non, mais étant donné que vous n'avez pas l'air de le faire, moi, je tiens à m'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que je n'endosse pas du tout ce que vous venez de dire. Moi, je considère que les condoms sont très utiles. Rosalie a dit, il doit se dire, les femmes dans la cuisine. Choqué. Je considère que les condoms sont très utiles et que vous mettez la vie de gens en danger. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent. On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Monsieur Moreau, j'espère qu'ils ne vous écouteront pas. Et j'espère que les gens. Monsieur Moreau, j'aimerais. Il va m'enlever mon respect. J'ai des choses à dire. Monsieur Moreau, moi, je parle de la liberté de la pensée, mes chers. Je l'aurais gelé. Monsieur Moreau, vous êtes notre invité, mais c'est pas parce que vous êtes notre invité qu'on peut vous laisser dire n'importe quoi comme et ça. Et je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi non plus. Mais elle a tenu ses convictions. Elle était bonne, pour vrai. Là. Je me connais, moi, il y aurait eu un kick. Vous êtes un philosophe. Vous n'avez peut-être pas la compétence pour critiquer ma pensée. Non, j'ai peut-être pas la compétence pour critiquer ma pensée, mais j'ai la compétence pour dire qu'ici... Je pense que les gens ne partagent pas ce que vous dites. Mais je veux juste dire aux gens qui nous écoutent que je souhaite que vous... Moi, je souhaite que vous compreniez. Non, je souhaite que vous vous taisiez premièrement puis que vous me laissiez parler. Vous ne m'avez pas invité pour me faire taire, mais là, soyez logique. Je ne vous ai pas invité pour dire n'importe quoi. Moi, je veux dire aux gens... Alors, si vous êtes courtois, taisez-vous et laissez-moi parler. Et vous ne le serez pas vers moi, voyons. Oui, je suis courtoise. Je vois dans votre visage que vous êtes une personne sensible. Je vous demande de vous taire. Mais c'est quoi? Je suis sensible et c'est pour ça que j'aimerais dire aux gens qu'on n'endosse pas ce que vous venez de dire. Nous pourrions parler Qu'on espère que les gens vont continuer de se protéger avec des condoms. Vous essayez de faire de la démagogie. Monsieur, est-ce qu'on peut l'éteindre son micro et on va aller à la porte? Wow. Mais tu sais, en même temps, elle a géré ça un petit peu avec de la vertu. Tu sais, c'était facile de faire comme... Ferme ta gueule. Non, mais sans y fermer la gueule et dire, bon, ben, dites-les ce que vous avez à dire, puis de dire, ben, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, vous êtes le seul à penser ça, vous êtes un idiot, là, tu sais, là, c'était correct. Ouais, c'est vrai. Mais là, faire le show, puis essayer d'y enlever son micro, puis tout. Mais c'est calice d'un moment malaisant, là, ça. J'ai une question pour le chat. La belle télé. J'ai une question pour le chat. Ça, je l'ai jamais trouvé, mais je l'ai entendu parler. Jamais, il y a un gars qui était passé, puis ça, Yann, c'est de ton époque plus, là, c'est sûr que ça, tu l'as tweeté. Un gars qui était à Tout le monde en parle, puis il disait qu'il aimait ça chier. Ça vous dit-tu quelque chose dans ça, le chat? C'est pas... Il était connu, là. Oui. J'ai jamais été capable de trouver ça. C'est... Je sais même pas c'est quoi son nom. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Oui. Guy Fournier. Ben tout le monde en parle. Il disait que venir puis chier, c'était la même émotion. C'est ça. C'est ça, hein? On devrait se faire un best-of. Michael Bergeron. C'est Michael Bergeron. Ah, Michael. C'est le gars qui... Là, là, les boys, faut se parler. Là, ouais. On devrait se faire un best-of. Les best-of, ouais. Genre sur Discord ou quelque chose, mais les gens nous envoient des moments de télé québécoise les plus malaisants puis les plus épiques. On se tape une soirée. Les classiques de l'Internet. Là. Guy Fournier, PDG de Radio-Canada à l'époque. C'est ça. Ben oui, il disait qu'il aimait ça. Mais ça se retrouve-tu, cette vidéo-là? J'ai déjà recherché. Mais peut-être que j'avais pas le nom. Guy Fournier, tout le monde en parle. En tout cas, il y a bien du monde qui le cherche. Ça, on pourrait faire ça en même temps que... Quand est-ce que tu vas mettre le Daily Buffer Party sur YouTube? Il l'est, non? Non, sur Patreon. Oui, il est sur le Patreon. Patreon, mais quand tu vas le mettre sur YouTube? Ah, t'as peur. On pourrait faire ça en même temps.
On écoute le Pierre Daily. Pierre Marcotte ou Claude Tu veux écouter le Daily dans un Daily? Moi, je l'écouterais pas dans le Daily, par exemple. Ouais, non, ça va être trop bien. Non. Okay. Bon, on écoutera de la TV. C'est le vendredi 2 juin. Vendredi 2 juin, OK. Ouais, qui sort. Plus. Mais ça, Guy Fournier. Y a-tu quelqu'un? Hein, le chat, activez-vous. Disons, on va l'écouter sur mon Twitch à moi, par exemple. Ouais, il était PDG de Radio-Can. Il avait un gros poste, là. Ouais, puis il en a fait la télé, là. Calice, il y a plein de moments. Le show de Métropolis. Capitaine Bonhomme qui fait un AVC du... Ouais, ça, c'est... Ça, puis... Raël, à tout le monde en parle. Ouais. Quel bon moment. Marjo qui tombe en bas de la scène. C'est quoi, cette affaire-là? Moi, t'es... Ouais. Oh, wow. Ça sonne génial. Ah, Chris. Je pense que... Ah, je l'ai... Je travaillais cette journée-là. Cette journée-là? Ouais. C'est Yann qui l'a mis en nom. Ah, ouais. Oh, ouais. Ah, c'est une petite place. Qu'est-ce que je fais avec vous autres? Qu'est-ce que je fais avec vous autres? Rien, va-t'en. Qu'est-ce que je fais avec vous autres? Je ne sais pas c'est quoi, mais il a envoyé de quoi à TQS. Puis il n'y a personne qui... Il voulait faire de quoi, aller à TV pour parler de quelque chose. Mais là, il essayait de passer par tout le monde, genre Dutrisac, Gildor, qui fait un show du matin, tu sais. Il s'en calisse-tu. Mais là, il est rendu sa fille de la météo, si t'as pas au film. Puis là, il fait son talk, genre, je suis patient. Fait là, deux semaines. Je suis patient. Va procéder, là. Mon procédé, là. Là, mon procédé, il y a un peu Chris, il y a de quoi capoter. Abattez-le. La recette, je peux la donner, la recette. Le mego, c'est juste... On le voit plus, hein. Deux minutes, OK? Non, mais c'est sérieux, là. Hein? Je pense... Il dit la recette. Mandat, pas mandat, là. Moi, là, la recette, je peux la donner, la recette. Le mego, c'est juste ça que je veux. Deux minutes, La recette du mego. OK? Non, mais c'est sérieux, là. Hein? Je pense à cette heure-là, là. J'ai débarqué. Moi ici, je suis gentil. Ben oui, moi ici. Arrête, on va compétitionner dans la gentillesse. On va compétitionner dans la gentillesse. Alors, je t'invite à sortir à soir. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bon. Alors là. Hein? Je sais, ça prend la concentration, je sais très bien. On va faire court, là. Là, je te dis, là, c'est le deuxième avertissement. J'ai une photo de. Tu ne peux pas m'alerter par le bas des menaces. Oui! Parce que t'es la seule disponible. Les autres se cachent, tu sais. Les autres se cachent! Vous faites des menaces. OK! Ah ouais, pose-moi une question. Est-ce que je te fais des menaces? Oui! Monsieur, je suis pas là pour menacer n'importe quel média, parce que les médias sont pas là pour bosser! C'est la population qui bosse! C'est pas Pelado! C'est pas vrai! Il est choqué. Il est choqué. Ça a l'air qu'aujourd'hui, ce monsieur-là fait des lives TikTok. Ah oui. Ça a l'air sa famille aussi descendante au complet. Il y a de la descendance TikTok, le bonhomme. Récupération obligatoire le plus vite possible! Réponse pas, Asti. La prochaine fois, là, ça va être vite. Ta gueule, va-t'en! C'est une semaine, là, 10 heures. Mais vous ne l'aurez pas. Attends-toi de la visite. Attends-toi, je suis pas tout seul, en plus. Attends-toi de la visite chez vous. Nathalie, c'est toi qui vas payer le mot. C'est quoi? Pour moi, il s'est couché au chaud, lui. Ça continue. Il y a quoi un petit peu? Il revient-tu? Bon, ben, tu veux dire bien en vélo? Fugger in the puzzle! Ah, ben ça, je pense que c'est ça. C'est à cause de lui que les QS ont fait, finalement. Ouais, c'est lui, il a donné la recette. C'est bonne. Ça, ça n'a jamais été en onde, là. C'est quelqu'un qui a mis non, ça. Non, c'est ça, c'est quelqu'un qui l'a mis. C'est un gars qui travaillait à TQS, il était monteur, puis il l'a sorti. Ce jour-là. Mais pour vrai, ça, il faudrait que quelqu'un retrouve Guy Fournier qui parle de ça. Ah, ça serait magique. J'ai jamais trouvé ça.
Ça, c'est quelque chose. Mais il y a eu des moments, là. Pourquoi aucun des gars l'a tassé? En tout cas, du moins dans ceux qui marchaient autour. Mais c'est parce que c'était une caméraman. C'était la fille, on l'a vu un petit peu sur le bord. Puis c'était une fille. La régisseuse, là. Régisseuse. Ouais, la gérisseuse. La régisseuse. La gériboire. Puis je la connais. C'était pas, tu sais, c'était pas la personne qui aurait pu défendre. Qui aurait pu défendre la fille de la météo. Ouais, puis en même temps, c'est un freak, là, aussi, là. On s'entend, là. Oui, il y a probablement une arme nucléaire. Tu sais, t'appelles la police, t'as pas grand chose à faire. Non, là, t'avais pas de cellulaire, tu sais. Tu pouvais pas appeler. Fallait que t'ailles à la cabine de Belle, là. Ouais. Mais il y en a eu une couple de. Tantôt, il y a quelqu'un qui nous a parlé. Vous l'avez-tu déjà vu, Denise Bombardier? Puis ça, c'est son seul highlight que j'ai apprécié, là. Qui pogne Gabrielle Matineff en France. Ah elle traite de pédophile. Elle s'est faite des amis là-bas pour de vrai. Quand ça a sorti, je pense que ça a sorti l'année passée, c'était une super héroïne. Ouais. Mais ça fait longtemps que c'est genre des années 80. Ouais, mais là, il y a eu des vraies accusations. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a qu'un an. Lui, ses affaires, il comptait qu'il y avait des relations avec des petites filles de 14 ans, 13 ans. Non, ça avait pas de sens, ça, là. C'est ce qui a mis Fournier dans le trouble. C'était une émission de radio. Ah, OK. C'est le Madex qui dit, ouais. Mais lui, c'était quelque chose, là. Il y avait une émission avec... Non, je me trompe, c'était pas lui, mais... Il y a Taps aussi qui en a un. Il dit se faire crisser de la... Se faire crisser de la télé en live à TQS. Ah oui, TQS, t'aimais-tu ça, travailler là, Yann? Oui, j'aimais ça. C'était... Ben, le monde était le fun. Ça avait l'air cool. Sur la table, et je vous rappelle qu'à la fin du chrono, si je n'ai pas... Ah, lui il est rendu complètement... Il est rendu complètement complotiste, là. C'est un hostie de... Un showman. Il se fait crisser, là. Ça veut dire il se fait... Non. Il perd sa job, live? Il y a 800$ sur la table et je vous rappelle qu'à la fin du chrono, si je n'ai personne... Que si tu veux doubler la somme, c'est ta dernière émission. Ah non, mais ça, c'était pas... c'était du fake, ça. Il faisait du fake. Je shake. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Si vous avez pas entendu ce qu'il a dit, il a dit... Ça, c'était en Autriche. On est bien clair. Si tu veux doubler la somme au Québec, à la fin du chrono, c'est ta dernière émission, ben attache ta tue. T'avais pas le droit, c'était de la loterie. Ça va être ma dernière émission. Fallait que ça soit produit ailleurs. J'en ai aucun problème, moi. Parce que moi, j'ai l'intégrité. Ouais, pour moi, la chose la plus importante. C'était en live. Oui, c'était en live, mais c'était. Il était en Autriche. Fait qu'il envoyait des Québécois en Autriche. Mais pas juste des Québécois. Il y avait un studio. Là, t'avais tous les pays qui s'en allaient. Ah, ouais. Fait qu'ils sauvaient comme la loterie avec ça. C'est génial. De ce chrono-là, je vous rappelle qu'il reste une minute. Je pense que tu peux plus. Ça doit être illégal. J'ai personne en studio. Je double la mise, que je perde ma job ou non. Non, c'était du fake, ça. Il faisait à croire. Il arrêtait pas de faire à croire qu'il se pognait avec le réalisateur. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis parce que c'était le setup, ça. C'était le setup pour plusieurs. Il y avait plusieurs calls TV qui se faisaient là. Ouais. Dans plusieurs pays, tu sais. Oh. Tu louais. Ouais, fait que. La maison de production ici louait des plages horaires dans le studio. Fait que là, mettons, eux autres, c'était tout timé, là. Tel pays, il y avait de telle heure à telle heure pour produire. Puis là, après ça, c'était un autre pays. Puis là, eux autres, ils partaient, mettons, pour 14 jours. Fait que là, ils étaient 14 jours, ils restaient dans leur locker, puis ils pouvaient pas faire grand-chose. Puis ça a l'air que c'était bien ordinaire. Ils étaient loin de tout. Ça devait être payant pour eux autres, ouais, c'est ça. C'était cool, ça. Ça faisait le talk of the town, quand même. Je savais pas que c'était comme ouais. ça. Ouais. C'était un bon... Ouais. Moi, quand je m'endormais, pis la TV restait ouverte, tu te lèves à 1h du matin, c'est ça. Ouais. T'es comme, mais oui, esti, c'est la réponse, c'est poisson, là. Savoir que. John Livingston, il dit, salut, je suis en France, et j'aimerais vous faire savoir que nous aimerions vous rendre Mathieu Bocoté. On n'en veut plus. Non, gardez-le. nous autres, on a le grand français, là. On a le grand français, là, humoriste, là. Comment il s'appelle, donc, les meubles à RD, là? Jérémy Demé. Ouais, c'est ça, on va faire un échange. Là, il y a quelqu'un... ça, c'est malaisant, ça. Parce que lui, je sais pas si... Mike, il l'avait déjà compté à sous-écoute, ça. Tu sais, Jérémy Demé, il avait demandé à Mike... D'écrire pour Gad? D'être son script edit ou quelque chose de même. OK. Puis là, Mike, il avait fait... Je vais le faire, mais si t'accuses le fait que t'as volé des jokes, parce que quand il est arrivé ici, il faisait que du matériel volé,
Jérémy Demé. Mais là, il avait décidé qu'il faisait plus ça, puis il était repentant de ça. Fait que là, il avait dit oui. Mais là, la compagnie de production, là, il était revenu sur sa décision. Il avait dit, ouais, parce que là, Mike, il avait dit, on le fait-tu ton numéro? Tu sais, faut que tu t'accuses le fait que t'as volé des jokes. Puis là, il a fait, ouais, non, c'est parce que la compagnie de production veut plus. Fait que Mike, il a dit, ah, c'est correct, je suis plus ton script-édique, d'abord. Okay. Je travaille plus pour toi. Puis là, ben, tu vois, il y a, c'est-tu Nathalie Petrovski qui a soulevé le fait que il y avait une joke complètement volée dans son... Dans son nouveau spectacle. Ouais, il a fait une critique, je l'ai entendu, moi. Sa critique est rough en crise. Elle dit. Ah, c'est elle la seule critique qui est rough, je trouve. Ouais. Habituellement, quand j'ai des spectacles d'humour, tout le monde veut venir. Mon chum, mes enfants, ma voisine, ma coiffeuse. Et là, bizarrement, même mon facteur voulait pas venir. Je suis parti tout seul. Merci, Jérémy. Je vais aller lire. C'est pas vrai. Elle raconte, elle dit son stage, aucun décor, un peu comme le M.A. Berdé. Ça a pas de goût pis ça vaut rien. Voyons donc, elle est bien punchée, Nathalie Petrovski. Elle était bonne, elle était bonne. J'étais là, wow! Il y a Rock Chouard qui dit au bien cuit du grand rire de PA Méthode dimanche, tout le monde ramassait demain. Ah oui! Bon, ben regarde, on va vous le renvoyer. On va s'amener un spécial, lui. Parce que, tu sais, s'il y avait réellement du talent pis le vouloir de percer en... dans l'humour ou quoi que ce soit. Puis il est tellement sympathique. On a le goût de l'aimer. Il a de l'air, tu sais, passe bien à l'écran. Il a de l'air sympathique sur le stage. Il parle super bien. Depuis qu'il a fait sa pub de McDo, ce qu'il allait donner des cartes cadeaux aux itinérants dans la rue, là. Puis c'était McDo, là. C'était une pub de McDo. Je sais pas. Ben oui. C'était quoi, ça? Ben, il donnait des cartes cadeaux aux itinérants. Hey, lâche pas, mon chum, lâche pas. Vous voyez, chez McDonald's, on fait notre part. Tiens, regarde-moi. C'est pas vrai. Check, sure, moi, Jérémy Lemay, McDonald's. Hey, ça, c'est drôle, là. Hey, merci de soutenir au podcast. Mais Sam. Jérémy Lemay, McDonald's. McDonald's. Il y a un kill qui dit Denis Barbu l'aime bien, le petit Demain. T'as-tu quelque chose? McDonald's, Jérémy Demé. Il y a de quoi ici? Attends un peu. C'était peut-être un story ou quoi que ce soit. Cadeau de 10$. Non, ça doit pas être ça. C'est fantastique dans ma vie de porter un filet. Ça doit tellement être payant faire des pubs pour McDo. C'est ça, c'est pas des pubs pour McDo. Non, c'était pas ça. Il y a l'air bon, McDo. Il y a de la bombe. Il y a de la bombe, attends, maman. Ça me fait. Moi aussi, là. Ça fait-tu des Uber Eats? Ok, ici, t'es pas sûr. Ici, il va se rendre. C'est Mathieu Bonin. Ben oui! Qu'est-ce qu'il faisait là? Hein, rien de ma fête. Ah, pis Sing Daily. Mais Jérémy Lemay, je suis sûr de l'histoire qui donnait des cartes cadeaux. Oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Quand un spectateur... Mais c'est sur sa page à lui, quand un spectateur est plus drôle que l'humoriste. Ah, je suis pas sûr. Non, il y en a pas. Du bonheur, là. Je vois pas le... Non, je le vois pas. Il signe des... Non, mais il signe des livres. Non, il signe des livres. T'as vu que la ligne dit, j'ai compris, il signe des livres. Mais ouais, l'affaire du McDo, j'espère que c'est vrai. J'ai vraiment un souhait intérieur de... Faut vraiment que ça soit vrai. On prend-tu une autre petite pause? T'avais-tu une chronique, oui. Mon chat? Il arrive avec un oui, cadeau. Mais on peut attendre aussi après. Ça me dérange pas, je peux le faire là. Okay, ben non, mais on est dû pour une pause de toute façon. Parfait. On va prendre une petite pause, puis après ça, on va revenir avec ta chronique, mon cher. Fantastique. Mais je pense que ça serait une nasty bonne idée de se faire. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une playlist. Je vais la mettre de côté. Mais une playlist de plein de. Je veux pas avoir plein de trucs québécois, des classiques de. La presse débat chronique, Hugo Dumas. 8 moments marquants chez Guillaume. Ouais, ah, non, okay, ça peut être. Ah ouais. Ah. Enfin bref, on va prendre une petite pause puis on va faire ta chronique tout de suite. Prêt. All right. Cet épisode est une présentation de Skynet, votre expert en intelligence artificielle et robotisation.
Savais-tu que j'ai un deuxième podcast? Oui, 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 j'ai pas juste le Daily Buffer Podcast. Imagine-toi donc que j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Le Stream, que je roule depuis 2010. C'est un podcast un peu plus intime, un peu plus personnel, dans lequel j'émets des opinions, des réflexions. Des fois, on s'amuse, on déconne. Des fois, on fait les philosophes, on réinvente la vie. Tout ça accompagné de bonne musique. Puis c'est un podcast aussi que tu trouveras pas dans les répertoires. Il est comme caché. C'est un podcast caché. Il est ni dans iTunes, il est ni dans les répertoires de Google, ni dans les répertoires de Spotify, mais si tu utilises une application de podcast, peu importe, là, que ce soit l'application de podcast du iPhone, celui de Google, n'importe quel bon logiciel de podcast, tu peux l'ajouter manuellement. Google comment ajouter un fil RSS de façon manuelle dans ton logiciel de podcast, puis ajoute l'adresse suivante, le https://yanterio.com/lestream, puis tu vas être abonné à mon deuxième podcast. C'est pas merveilleux, ça? Je répète l'adresse https://yanterio.com/lestream. La vie est plate? Tu t'emmerdes? T'aimes danser? Alors bouge-toi! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la boîte la plus in en ville. Viens danser à Bouge de là, au son de la musique la plus dance des ondes. Une heure live survoltée, animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et le meilleur vidéo dance. Le vendredi soir, c'est au coin Sainte-Catherine, Hôtel de Ville, que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge de là! Savais-tu que tu peux commanditer le Daily Buffer Podcast? Si tu veux plugger ton entreprise, ta page web, un événement qui s'en vient, envoie-moi un courriel yanbuzz@commercial.gmail.com. J'ai des très bons forfaits à des prix très compétitifs. Mettons que tu as un truc très ponctuel que tu voudrais promouvoir, je sais pas, un événement, un rave, une épluchette de blé d'Inde, n'importe quoi. Tu peux commanditer un épisode si tu veux. Un seul épisode, c'est un pre-roll, c'est une présence dans mes deux blocs de commandite, mais c'est aussi tous les extraits qui sont rattachés à cet épisode-là. Sinon, j'ai des campagnes plus longue. J'ai un forfait très avantageux qui te permet de commanditer pendant un mois tous les épisodes et les extraits associés. C'est tout près d'une vingtaine de vidéos, ça, à un prix ridiculement bas. N'hésite pas, contacte mon agente Brittany au yanbuzz@commercial.gmail.com. Crème, tu disais que tu avais une moto. On va la plugger dessus. Ouais, tu disais que tu avais une moto à vendre. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est parce que j'ai eu mon permis. Puis je vais remettre mes je vais remettre mes crocs parce que là, le monde va aimer mes bas. Comme mon Dieu, j'ai quasiment des bas gris à faire. Non, c'est. J'ai décidé de mettre ma moto en vente parce que depuis que j'ai mon permis, j'en fais avec ma blonde. Puis là, ma blonde, c'est comme équipée pour me. Puis c'est pas assez confortable maintenant. Et pas, je veux grossir un petit peu la mienne. En tout cas, si l'un est intéressé, un beau Suzuki Marauder VZ800 2002 avec 31 000 kilos, des pneus flambant neufs et des exhausts 25 qui valent quasiment tout seul le prix de la moto. Carlis, c'était comme le patouf de la moto. Ah, c'est ouais. T'as-tu des lumières rouges et bleues? Ouais. Moi, là, je te dis, cette moto-là, Chris, elle est chaud. Pour vrai, là, elle est impeccable. À toutes les fois que je reviens d'en faire, parce que quand je l'ai acheté, elle avait besoin d'un peu, un peu plus d'amour. Là. Puis... À chaque fois que je l'ai pris, elle a reçu tous les soins nécessaires. J'ai tout le temps poli les chromes. J'ai tout le temps traité les cuirs des bancs. J'ai tout le temps. Je sais pas si c'est un petit. La teinte correcte. Je sais pas. Je sais pas si c'est un. C'est drôle. VZ 800 2002. Il y a Frank Titi qui dit c'est quoi ton email? Non, c'est correct. Comment est-ce que ça me fait? Ça vient sur Facebook. Ça m'a pris un bon 30 secondes. J'étais là. Oh, Chris, il y a déjà quelqu'un d'intéressé. Oh, ouais, c'est bon. Non. Oh non, tabarnak. Non. Wow. Je l'ai droppé zéro fois. C'est jamais fait de dropper d'ailleurs. Non, je veux pas. Là, Chris, pensez pas que je veux un sport touring avec une radio pis tout. J'aurais pas de Honda. Ben, malgré que j'haïrais pas la ça. La radio dans le tapis, là, tu sais que. Ben, ça, ouais. Non, ça, oui. Moi, pas un de mes amis, là, moi, mon ami Éloi, il y a 2 ans, on avait vu un vieux Goldwing
89 genre à vendre là. Grosse radio là-dessus, puis elle vendait genre 800$. Ah, c'est juste bon, on a fait, on l'achète-tu pour aller tous les deux ça à main avec genre Cotton Eye Joe dans le tapis, mais là, on serait pogné avec ça. À Tinouic, il y a le Rodeo mécanique à chaque année, puis ça, c'est des shows de boucan non-stop pendant 48 heures là dans le OT du village, puis c'est le rassemblement de Harley, puis à chaque année, ils font brûler un chinois. Une moto chinoise, là. Mais ouais. Ton Goldwyn à 800, là, il brûle ça dans le milieu. Ça, c'est dur. Ça. C'est dur à faire flamme. OK, le Chris en feu ou... Ouais, ouais, le Chris en feu. Tu vois, Tinouic. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai mis ma moto en vente. C'est... Non, mais ben, en fait... C'est combien? Ça doit être cher, les assurances d'un hostie de moto, pareil. Hein? Ça dépend desquelles. Ça dépend le nombre de... Ça dépend du modèle puis du CC. Je pense que ça me coûte 100$ par année. Ah, pour vrai? Ah ouais, c'est les plaques qui coûtent cher. C'est les plaques qui coûtent cher. C'est 600 kicks, là, les plaques. Ouch! Ouch! Encore là, ça dépend quel type de moto que t'as. Si oh, attends, racer, moi, c'est l'affaire la moins chère. 600$ de plaques. C'est 2000 kicks, me semble. Un racer. Mais Chris, pour ça, un racer, tu peux en avoir un à... 1000, ouais. Tu sais, à 1000$ parce que plus personne les achète. À cause que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Fait qu'à la place, tu vas t'acheter un sport touring que c'est, tu sais, mettons un CBR 1000, me semble, celui-là. Eux autres sont comme, le guidon est un peu plus haut. Puis là, ils sont comme, c'est pas un racer, c'est un sport touring. Fait que c'est 600$ de plaque. Ouais. Mais ça marche, tu sais, c'est une affaire que, en troisième vitesse, tu peux, en première vitesse, tu dois pogner 80. Là. Fait que tu sais, ça, bon, ça marche en... Oh, et fait, c'est pour ça que j'ai pas ça. En fait, moi, je veux de quoi pour, tu sais, rouler, avoir du fun. Là. Je veux pas de quoi que je fais comme, hey, je peux aller vite. Parce que moi, je me connais. Là. Ah, hey, mais, il y a un de mes amis qui m'a déjà passé son motocross. Là. Le monde chauffe vraiment mal, man. En plus. C'est épouvantable. En plus. En plus. Mais non, c'est ça. Fait que si vous voulez voir, je mettrai sur ma page Facebook tantôt. Je l'ai sur Facebook personnel, mais... Moi, c'est un 4 roues que je veux. Je veux un vieux 4 roues. C'est un 4 roues qui est encore en bon ordre. Puis, tu sais, enlever des souches. J'ai des souches à enlever. Puis faire des petites trails. Il y a des petites trails autour. Ben, si tu veux une moto, j'en ai une. Ça fait très bien la job, Yann. Pour vrai, un petit semi-route, semi-trail, t'aimerais ça. Ça prend moins de place. Ah, mais là, tu veux sortir des... C'est quoi semi-route, semi-trail? Ben, c'est les espèces de buggy, là, les petits chars... Non. Moi, c'est plus pour aller faire de la trail, mettons. Ouais, là. Un genre de KLR. Ouais, c'est ça. Là, 250, là, une petite moto, là, deux roues. Mais là, tu veux sortir des souches, là. Sortir des souches en moto, ouais, pour vouloir. Bonne chance, c'est pas idéal. Mais en quatre roues, c'est pas mieux non plus. Ouais, c'est vrai, léger, ça. Là, ça jack assez vite. T'as pas Yann, il a acheté de la corde jaune, puis il est prêt. Il a fait un nœud. Ouais, mais Mike, il y en a un 4 roues, lui. Ouais, je vais y emprunter pour les souches ici, de voir si ça passe. Il y a un 4 roues? Okay. Ouais. Non. Oh, il m'a dit, tu peux le prendre quand tu veux. Il est dans le garage, mais là... On va tout ça en faire. Là, je sais pas trop, vu qu'il est séparé, là, c'est plus à lui, tu sais, il laisse la maison de campagne ici, à son nez. Ah, c'est pas à lui, fait qu'il est plus... C'est plus sa maison de campagne. Vice-président de Deschaillons. Non, ils ont fait un... Il l'explique hier dans le show. Ils ont fait une pige, là, genre... que lui, il avait le premier choix puis le dernier, puis elle avait les deux choix, tu sais, parce qu'ils ont quatre résidences. OK. Fait que là... comme moi. Fait que là, lui, son premier choix, c'était la maison à Longueuil, puis l'autre, je pense, je sais pas c'est quoi, là, tu sais, là, mais en tout cas... Fait qu'elle a-tu gardé, genre, la Floride, puis ici? J'ai aucune idée, je pense qu'elle a ici... Puis sa mère aussi qui a une maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait du sens. Ouais, tu vois, tu allais la maison de sa mère à Mike. Fait que, mais c'est ça. Mais de toute façon, ça faisait plus de sens parce que c'est la maison de son... C'est la maison d'enfance de son ex. Tu sais, là, ça ferait bizarre. Fait que, ouais. Fait que je perds mon voisin. Je pourrais plus voisiner Mike. Tu le voisinais-tu tant que ça? Ben, quand il venait, ouais. Un moment donné, c'est comme il m'a... Ça avait l'air d'avoir regardé... comme question, mais il faut quand même... Ouais, non, mais il arrêtait... Quand il venait dans le coin, il arrêtait tout le temps. Un moment donné, j'ai écouté la UFC chez eux. Puis c'est ça, tu sais, j'ai déjà soupé là. Tu sais, une fois de temps en temps. Okay. Là, j'aimais ça. Ouais.
Ça me fait voir Mike dans d'autres contextes que genre dans une loge 5 minutes, là, tu sais, là. Ouais, c'est pour ça aussi que les voyages, c'est le fun en crise avec Mike. Ouais. Avec Mike puis Michel. Michel, il est de bonne humeur quand il est en voyage. Ouais. Quand il va sinon, en voyage. Sinon, il est tout le temps en crise. Quand il va en voyage, là, Michel, c'est le gars le plus fun. Quand c'est le temps de revenir, là. Là, c'est. Eh, tabarnak. Lui, là, c'est genre 6 heures puis là, il pousse dans le cul de tout le monde, là. Là, là, c'est genre, moi, je veux voir mon gars, là. C'est genre, si on part de Moncton, il faut arriver avant 6 heures, 7 heures. Que son okay. gars se couche le soir. Asti, que c'est. Puis là, il. Ah ouais, go, 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 on met nos sacs, on met nos sacs. Asti qui est roche, là. Il se prend pour un géo, là. Mais sinon, c'est. Il est comme OK, on dort ouais, la piscine. Là, tout le monde en piscine. Mais c'est tellement le fun, là. Surtout avec le tour bus, tu sais, parce qu'on peut tout se jaser, là, tu sais. Oui, fait ça, que Mike, il s'installe dans le lit en arrière quand il a le goût de. Mais sinon, il s'assied. De se flatter. De se flatter. Il sort sa tasse. C'est comme un Yann, donne-moi de l'eau chaude. Donne-moi de l'eau chaude. Mets ça dans le micro-ondes. Fais attention, pas le temps de faire bouillir. Mets ça sur le toaster. Fais attention, c'est chaud. Ben, j'espère, Chris. Comment veux-tu que je m'accroche? C'est ça. Si ma tasse, c'est pas chaud. Ah, la fameuse tasse chaude. Mais Yann, parenthèse, pour te trouver un 4 roues, t'es en région, hein? T'as trouvé un 4 roues pas cher, là, t'es dans les bonnes places. Parce ben que ouais. plus t'es en ville, trouver un 4 roues, là, les prix montent. À Montréal, là, c'est pas le meilleur en 4, spot. Ils sont durs à trouver sur l'île. Ouais, on se fait voler, mais il manque quelque chose. Là, ouais, bout non, c'est du ça. Starter, mais là, ici, je t'en trouverai un, Yann. Ben oui. Et si tu, trouves, tu cherches une moto noire VZ800 2002 avec très peu de millage, des pneus neufs et des exhausts Vanzanine, fais-moi ça. Oh yeah, oh yeah. Petite toast à soir. Big brain. Chris, je connais moto. Ce que vous voulez, je vous dis. Qu'est-ce que tu oh, ça, c'est rire à nos amis. C'est le rire à nos amis en plus. Qu'est-ce que tu calisses? Ben oui. Au moins pendant le podcast, elle a ri. Elle a pas punché, mais elle rit. Je l'ai pas écouté, moi. T'as pas écouté le podcast? Non, il était dehors. J'étais dehors. Moi, j'ai pas voulu l'écouter pour me garder la surprise. Puis ben j'ai écouté des petits bouts là, mais là j'attends qu'il tombe sur YouTube pour l'écouter avec sur mon Twitch en même temps. Fait que là je me garde la surprise pour ça. Mais Chris, t'étais là. Ouais, je sais, mais ça va vite là. Tu sais, c'est puis, tu le vois là, tu vois que je t'ai pas suivi pendant si longtemps. Vous l'écouterez, vous comprendrez mon état. Ouais, il y a ça aussi. Ben, Chris, j'ai même pas eu le lien. Ben oui, ça a passé. Je l'ai mis sur Patreon. Ah, et peut-être pas Patreon. Je vais te l'envoyer. Excuse-moi. Envoyez-le dans notre conversation. Ouais, je vais l'envoyer dans la ouais. conversation. Rigueur. Les collabos. Ouais, c'est notre nouveau groupe. C'est quoi ta chronique, mon Charles? Hey, j'ai une chronique. J'y vais avec, comme la dernière fois, mon top 9 de mes TikTokers préférés. Ah, du OK. Moment. Fait que c'est pas de la bouffe aujourd'hui. Peut-être. Oh. On n'est pas obligé. On mais disait qu'on avait faim. Peux-tu aller me chercher 3 verres en haut, s'il te plaît? Il y en a 3. Ah, là. Parfait. Assoir, on boit de la terre. Fait que, on peut y aller avec mon terme. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher quelque chose. On va tout faire ça en même temps, vous allez voir. Ouais. Hey Charles, je me posais justement une question, là. Ah, qu'est-ce qu'on goûte, Charles? Qu'est-ce qu'on goûte, Charles? Qu'est-ce qu'on goûte? Mon Charles, ça va sûrement goûter, moyennement bon. Ah, c'était-tu de quoi qu'il y avait dans le congélateur, ça? Non, OK, il y a de quoi dans le congélateur? Ouais, ça, c'était Will. Je le laisse là, mais... Ouais, on le laisse là. C'est-tu moi? Ouais. Ah, je savais même plus que j'avais ça. Ben oui. On va le prendre tantôt. Je vous présente Fizz ce soir. Fizz? C'est une compagnie de Montréal. Et ils font de la limonade au café, ou du café à la limonade. Hein? Ça s'appelle Café Limo. Café Limo. Mais ça, c'est les deux pires mix de l'histoire de l'homme. Ouais, effectivement. Mais je vais vous le faire écouter. C'est effectivement, c'est ça, c'est café limonade. Fait soir, on fait de la bière au vin. C'est bon mix. Ben, c'est wine de. Ben, ça existe. Ah non, c'est sûr. Du vin de. C'est donc ben weird. À soir, on boit de la slotch à la pisse. Oh,
la slush à pisse, c'est dégueulasse. La slush à pisse. Pourquoi qu'on rit autant de quelque chose de même? Police. Bon, ben, ça, je vais faire la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? Regarde, le monde miss Kiki, le Kiki. Je pense que c'est la fatigue. Oui. Microdose Kiki. Je pleure. Slot Chapis. Bon, on goûte à ça. Sentez-le, sentez-le. Vous allez voir, vous avez une belle arôme de. Ça sent le carton. Le carton. C'est un bon sommelier. Il y a des notes de. Carton frais. Carton? C'est du carton frais, ça. Ça, c'est Amazon. Ça, ça. Deux épaisseurs. Deux épaisseurs. Ça. Ouais. T'as attendu 2-3 heures dehors. On peut goûter. On peut goûter. Ah ouais? C'est quand même assez mauvais, ça. Ben, je trouve que c'est pas si pire. L'idée est mauvaise. Non, je sais, mais. Hey, Yann, là, finalement, ça fait du sens, parce que notre chapitre. Je pense que je vais commercialiser ma slot chapitre, si ça me dérange pas. Gardez-moi en une. Il m'en reste une, mais je vais peut-être la prendre, par exemple. C'est pas si pire. Ça goûte. Ça sent pire que ça goûte, mais ça goûte quand même pas très bon. Ben, c'est. Pas, moi, je trouve que c'est pas c'est si pire. C'est un petit goût. Ouais, non, c'est pas pire. C'est pas pire, pire, mais. Mais ça sent dégueulasse. Ça sent ça le sent café. Et... Ouais, c'est ça. C'est le... Ça sent le vieux café. Ça sent. Ah, ça sent. Coudon, faites-vous cuire de la merde! Coudon, faites-vous cuire de la merde! Ouais, moi, je trippe pas, honnêtement. Bon, ben, c'est correct, je vais le finir. Ça, là... C'était un essai. Écoute, ça peut pas être toujours... Mon affaire. Non, pas de suite, pas de suite. Je vais faire... Non, je vais faire ma chronique, mais il m'en reste d'autres aussi. Tu vas peut-être en avoir besoin plus tard de ton popsicle. Mon affaire, c'est l'équivalent de la slotch à la pisse. Oui, pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Avec de la marato, je suis sûr que c'est bon. Ah, sûrement. Yann, je m'attendais pas à rire demain à soir. Tu m'as envoyé ça. Tu m'as envoyé ça où? Sur Messenger. Tu m'as envoyé un pouce. Je pensais que tu l'as. Ben, ça, ah, c'est ouais. Yann. Ouais, c'est parce que je me souviens, mais je me souvenais pas. OK, parfait. Fait que on va tout de suite passer au deuxième. Le premier, finalement, ça me tente plus. Ouais? Ouais. Bon, on peut bien. C'était-tu moins? Non, c'est pas nécessairement drôle. C'est pas toujours drôle, mais on peut le faire pareil. On peut le faire. On va les faire. Hein. Laisse-le, tu es à pisse. Alex, t'as manqué une cuvée de slot chapis. Ouais. Ok. Ça marche-tu? Ouais, je l'ai là. Si tu cliques dessus, t'es supposé de. Ouais, ça dépend quel logiciel tu utilises. Ah, ouais. C'est une espèce de logiciel gratuit, j'ai pas vraiment. Ah, ok. Tiens, fait que. OK, ça, c'est un compte TikTok au complet. C'est Pierre and Phil. Ouais, ben c'est ça. J'y vais avec mon top 10 là, de ce que j'ai découvert dernièrement, que j'apprécie sur TikTok ou que je trouve complètement ridicule. OK. Fait que j'ai le premier qui est les trois maisons de Pierre et Phil. Pierre et Phil sont en Europe, un peu comme mon Vivien là, l'autre jour là, de ils retapent des maisons puis tout ça, mais eux autres sont achetés trois maisons puis sont une gang, ils sont tout en train de rénover ça, puis c'est vraiment beau. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je voulais le sauter, lui, parce que c'est correct. Mais non, j'aime ça, ces genres d'affaires. Notre maison, elle est dans un état pas possible. C'est vrai qu'à cause des nombreux travaux, on a tendance à s'étaler un peu partout. Mais on l'avait fait quasiment tout le placo. Non. On va pouvoir faire un peu d'aménagement provisoire. Non, ouais, c'est ça, lui qui est nul à chier. Un endroit définitif, même si à cause des travaux, c'est beau. Ça commence, c'est beau. Ah oui. Voir que l'espace. Et ça, il y a un potentiel avec cet endroit-là. C'est l'enfer. Les travaux sont loin d'être finis. Tu sais, parce que dans le fond, c'est juste un minimum de confort. Tu sais, ils crissent tout à terre, gardent juste la structure. Ah, ça va être beau, ça. Ah non, c'est très beau. Puis ça, c'est une pièce. Ils ont fait un cinéma aussi. Vraiment sympa. Et franchement, heureusement que c'est minimaliste. Parce que dès le lendemain, il a fallu déjà retirer le coin télé. Ici, on est obligé de protéger. Parce qu'on va faire pas mal de poussière. On va installer la future télé directement sur le mur en pierre. Et du coup, les gaines électriques devront être cachées dedans. Pas d'autre choix que d'ouvrir un peu le mur. En haut, pour les prises derrière la télé. Ah, et en bas, ouais, pour celle du meuble. Ah ouais.
désolé. Okay. OK, on va aller au prochain. Fait que ça, c'est les trois maisons de Pierre et Phil. Puis l'autre, le prochain, Danick Bouchard. Danick Bouchard. Who is Danick Bouchard? Il a découvert TikTok il y a quelques semaines. Et là, le bordel est pogné avec Miggy, avec Skullface. Ça comment va ça? Pas bien, là. Comment parce que ça? Lui, soudainement, il est devenu populaire, il ramasse beaucoup d'argent, puis là, il a commencé à envoyer chier tout le monde. Il a l'air d'avoir des problèmes de toxicomanie un petit peu. Fait que il y a des soirées de live qui finissent assez rock'n'roll. Puis ça finit que Skullface puis Miggy sont partis leur joindre. Un de ces quatre. Pendant que moi je plane dans le ciel. Continue de vivre dans tes rêves. Bon. Pendant que. Mais là, il y a une saga, là. Le jeune, il a du talent, tu sais, pas tout ce qu'on vient de voir. Sont allés le rejoindre pour faire quoi? Pour y dire de se calmer. Parce que là, il est en train de les envoyer promener, puis tout ça, le buzz avait pogné autour de lui, puis là, il faisait de l'argent, puis là, il prétendait être le king, puis là, Skullface, c'est lui le king. Mais c'est vrai que Skullface, il est arrivé pour lui donner des conseils, pour lui dire, hey, calme-toi un peu, là, tu sais, là, ça va, ça sera pas de même toute ta vie. C'est quoi ça? Québec Scoop me menace. Bon, ouais, okay, c'est là, ça, là. Tu sais, Scoop, une supposée page fiable de nouvelles du Québec. En ce moment, Marcel, comme vous voyez voir, est en train de m'écrire. J'ai commencé, dans le fond, à matin, en lui disant, parce que hier dans mon chat, il y a clairement marqué « Tu sais Scoop, vous voyez comment il se fout de vous. » Ça, c'est du jugement. Mais si tu vas dans les « On sort les vidanges » puis ces trucs-là, encore là, un autre jugement sans raison. Ils sont sur son cas, là, c'est pas assis. Ah ouais? Ouais. Votre cash. Bon, pourquoi? On parle de là, une parce que il n'y a pas une bonne attitude, tu sais. Puis c'est ça qui est plate. Quand tu vois ça, parce que la bonne, hostie. Le jeune, ouais, vas-y. Tabarnak, parle-moi de ça, un gars qui a de problème d'attitude. Du nouveau B. Du nouveau. Ouais, j'étais tanné, là, de ça, là, les cartels, puis ces affaires-là. Non, là, je les écoute plus, là. Appelle-le, tu lui diras qu'il t'appelle. Puis il joue de la musique, les lives, tu sais. Et. Sans raison. Bon. Tu sais, il quête, oui, de l'argent. C'est un gars qui est dans la rue, mais au moins, il joue de la guitare, tu sais, je veux dire. Là, moi, j'y marque. Ouais, il travaille. Puis son argent, là, il fait pas juste des hosties de battle puis des cochonneries. C'est ça. C'est un fait qui est eux, il y en a qui disent. C'est ça, là. Là, il y a l'histoire de savoir si c'est vraiment un gars dans la rue ou pas, mais en tout cas, il y a une petite saga autour de lui. Non. Parle à ta gueule. T'avais pas à dire ça. Merci. Il sait ça. Je sais pas s'il sait que c'est illégal, je vais lui montrer ça. Laisse-moi patience. Il dit la prochaine fois que tu tes menaces que tu as dit à mon égard. Là, il invente des histoires. Fait que là, il va prendre des... C'est illégal, mais en même temps, il y a pas les polices encore, tellement. Mais c'est comment illégal. Vos astuces d'affaires de. Puis ils ont raison, là. Ouais, c'est vos cochonneries TikTok de tabarnak. Mettons qu'ils décidaient d'envoyer une mise en demeure, puis il y aurait de l'argent avec des avocats, tout le kit. C'est possible. Ouais. OK, on passe à mon prochain. Maintenant que tu utilises drôle, là, l'image de Yvon Deschamps là, pour un mais je suis abonné à un nouveau drama. Oui. Mathis Lavoie 43 pour Ken Block. C'est-tu le flow? 43 Ken Block, c'est mon idole. C'est-tu lui qui modifie des affaires? Et voilà. C'est un génie, ce flow-là. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tabarnak. Non, je suis sérieux, lui. Avec sa petite voix, là. Il y a direct 80 ans. Salut, ma gang de malades! Bon, ben, vous le connaissez, salut, mais. Ma gang de malades. Pour ceux qui le connaissent pas. Malade, là, aussi, c'est en ça que je fais mon TikTok, là, mais. Là, avec l'école et tous les examens puis tout là qui vont s'en venir là, je vais plus étudier que d'autres choses puis Attends un peu, il travaille tout le temps sur une machine, mais, il est tout le temps sur un tracteur. Pour de vrai, c'est le meilleur mécanicien que je connais. Ben c'est drette ça, mon gars. Salut ma gang de malades, gardez-moi ça. T'es en train de mettre de Will. De Will. Je sais pas, il habite où? Il est à Macamic. Ouais, c'est ça. Il est à Macamic. Ah, ouais. Il est en Abitibi. Mais là, quand il sort ses machines. Ben, là. Drôle. Ah, non, si. Mais pour vrai, par exemple, il a de l'air à connaître ses enfants. Ah, il connaît ses enfants. Moi, j'adore ça. C'est juste parce qu'il y a un accent. The Will Amateur. Tu vois qu'il s'est tenu avec son grand-père, là. Tu sais. Ben, mettons, là. Salut, ma gang de malade. En fin de compte, là, ça sera pas à soir la partie que je vous montre, que je filme avec la caméra, parce que je suis fatigué, puis demain, je travaille à
De midi à 9. Chris, il y a genre 9 ans. Comme aujourd'hui, je viens de faire... Ah, il voulait faire un face reveal. Puis, c'est ça. Ah, il veut pas montrer son visage. Je comprends. Il travaille tout le temps sur ce petit tracteur-là. Ça fait genre 2 ans qu'il... Salut, Laurent. Faut bien qu'il y ait... Chris, il fume. Ah, salut, Laurent. Bon, on tourne le moteur là-dedans. Mais il fume pas, non. Non, je sais pas. Il nous a montré... Il a souffert en cuir dans son garage. Il vient de cracher dans son garage aussi. Ça a brouillé. On a refait le gasket. Demain, il va être de retour dedans. Mais là, je sais pas si vous voyez. Non, c'est pas là. Regardez la strap. Et il finit bien prêt. Il y avait-tu une vidéo en particulier? Non, tu non mais non, lui, non, c'est un. Ils sont tous bons. Allez le suivre. Allez le suivre. Ah, aussi. Il est drôle encore. Tu peux le suivre, Yann. Là. Ouais, attends un peu. Ken Block, ça, c'était un courseur. Il est malheureusement décédé. Ouais, ouais, Ken Block d'ici. Il devait triper sur Ken ouais, Block. Ouais, ouais, tout le monde tripait sur Ken Block. Did somebody say. Ouais, oh, j'ai vu fabrication d'arcade, c'est pour toi ça, Yann. Tellement. C'est pour toi. Il fait que ça. Il en met dans des valises, il en met dans tout. Fait que même dans ses céréales, c'est un gars qui parce fabrique que je veux m'en faire une justement. Je vais aller me chercher les du MDF cette semaine pour me faire ça. Puis ah si, ça me fait triper ça, ce genre d'affaire là. Fait que tu vas voir. Ça m'a fait penser. C'est direct ça que je veux faire. Tu sais, c'est ça, quand t'as un hobby de faire ça, ça te prend de l'espace, hein? Ouais. Ça te prend un petit atelier, au moins. Ouais. Un petit atelier. OK, c'est muet de même. Hey, c'est cool, en nastifi. Mais ça, Shreve. OK. Ouais, ça meurt, dit ça. Mets des arcades dans des arcades. C'est en plein ça, Doc Walker. Non, j'ose! Wow! Il a de l'air de bien travailler. Ouais, fait que... Tu disais qu'il en mettait dans des valises, oui, il y en a une dans le 64 Wallet, là, je pense. C'est un 64 qu'il met dans une valise avec un écran, tout le kit. Ah, ouais! Ouais. Il me semble que c'est d'un premier, même. Hey, c'est malade. Ça, c'est cool. C'est donc bien cute. Ça, je veux être... Ah, si, ça, c'était... Hein, oui, avec la télé. Les TV, Hey, ça, fait... ça, c'est le fun à entendre. Ah, c'est malade. J'aime ça en esti. J'aime ça en esti. Tu sais, peut-être même un tabletop de même que je veux faire. Ouais, ça, c'est cool, ça. Ouais. J'ai l'ordinateur, les jeux, tout est monté. Tout déjà. Faut juste ton bois. Mais là, je vais me faire le cabinet là, bientôt. Là. C'est un projet de. Puis je sais même pas où je vais le mettre. Ma blonde a dit où tu vas mettre ça. J'ai aucune idée. Je vais sortir de quoi? Je ouais. sais pas quoi. Mais là, je voudrais peut-être le faire fitter ici dans le studio. Je sais pas où. Peut-être mettre le voyons, le coffre-fort, je vais peut-être le mettre genre à côté de Will. Ouais, ça serait plus pratique. Ouais, puis il y aurait une petite arcade. Une autre arcade à côté, ça serait cool. Deux arcades ben dans ouais, le coin. Ah ouais, cool, ouais, 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 un petit coin cool, ouais, pour ouais, le Pixel ça Palace. Ça serait cool, ouais. Le prochain... Le Jacuzzi Ban. Ban parce qu'il s'est fait bannir son autre compte. Fait que j'étais bien content de voir qu'il y en avait un autre. Là, il y a de la musique, mais c'est pas de la musique... je pense pas que c'est répertorié là comme musique. Là. C'est un rappeur d'Europe. Et j'adore toutes c'est ces qui la liberté toutes ces rhymes, c'est magnifique. C'est quoi il est un peu ridicule, quoi? C'est un peu comme Rotten, c'est comme le redneck français un peu là. OK, fait que c'est le redneck, c'est le redneck. OK, attends un peu, on va en écouter un. Sorti du vent de ma mère, j'avais déjà la gaule. Picardie Hauts-de-France, chez nous c'est pas la pôle. Tous les samedis soirs, on fait des glory hall. On sait pas qui combat, ça se trouve y'avait des animaux. Sorti du vent de ma mère. C'est juste des phrases de même. Right, ah ouais. Si ça se trouve, il y avait des animaux. Le prochain est Don Quichotte, c'est ça? Lui, il est Don drôle, Quichotte. Ouais. Don Quichotte, c'est mon voyageur préféré. Vous savez, j'étais un nomade.
C'est un de mes rêves de partir. Il est passé l'hiver aux États-Unis, puis il se promène. Là, il est rendu à Vancouver, il a de la famille. Fait qu'il est juste bien intéressant. Vraiment frais, là. Ouais. Il rentre dans un casino, puis il passe 3 semaines au casino parce qu'il prend du café gratis, puis il prend des douches, puis il repart. Part, il y a des douches au casino. Ouais, mais... Ouais, ils veulent tellement garder le client, là, il y a tout, là, tu sais, pour essayer de te garder là. Ah ouais, ah ouais. Il est bien cool. Ah ouais. Il est bien cool. Il a une belle mentalité, puis... J'aurais offert mon petit lit, puis tout, puis eux m'ont offert payer le gaz. Fait que c'est ça, c'est juste... Ah, nice, mais je vais m'abonner, j'aime ça. Le temps d'un caca. Tiens, prochain. Uncle Sam Patriot. Oh boy, lui, là. Je l'adore. Mon boxeur russe, comédien. Il est juste fun à suivre. Écoutez, il fait dur. Il est pas à son meilleur. C'est bien monté en plus. Hey, il force la face, là. Bigger wave. Le temps de caca. Ben oui, ce serait un bon podcast. C'est Butterbean. Okay. Ouais, c'est ça, des fois. Des fois, il faut que tu t'entraînes. C'est ça, il s'entraîne. Ah, c'est parce que... Ils sont en compétition! Oui, c'est ça. Là, ils ont commencé à faire des duos avec l'autre que je vous avais présenté. Fait que là, il commence à avoir un monde là, de weirdo qui suit. Laissez-moi une demi-heure. Tiens, ma bière. Oh, là, là. Ah, il est magnifique. Ça, c'est quoi? Ah, calice, il y a... Il y a une bonne patate. Hein? Moi, okay, il y a la normale. Ça, il est pas tout là. This is how you eat yogurt! How do you eat yogurt? Y en a-tu qui se souviennent? Je m'en attendais pas, lui. Y en a-tu qui se souviennent? Il y avait un compte YouTube. C'est un gars. Ça a l'air d'être un Russe. Il est dans le bois. Puis là, il se promène dans le bois, puis il pointe tout, puis il flatte les arbres. Puis là, ben, il trouve tout le temps une bouteille de rhum. C'est quelque... Dark Web. De whisky ou je sais pas trop. De vodka. Christ, que c'est drôle. Si jamais il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle, il fait tout le temps genre... C'est comme... C'est quasiment juste des sound effects qu'il fait, là, tu sais. Ah, là. Ouais. Ah, rah, rah, ouais, gars, la bouteille de whisky, ah, whisky. C'est juste parce qu'il parle pas russe. Ah, non, oh, ça me dit rien. C'est... Opérateur suédois, mais il est mort en 2021. Ah, Apetor. Ah, il doit en avoir des Il doit en avoir des Apetor. Hostie, là. Il est mort en faisant une vidéo. Hein? Oui. Hein? Merci, il est mort en faisant une vidéo. Il y a un arbre qui l'a flatté. Il est drôle, là. Tu peux pas... Non, pas ça, t'as peu. Non, il met de la musique. Mettez pas de la musique. Mettez un peu. Apetor, là. Apetor, OK. YouTube. Essayez de pas pogner de la... T'as peur, si on va en pogner un... Si on va en pogner un random... Non, c'est pas ça, t'as peur. Ça ici, admettons. Il y a vraiment une cinématographie, okay. Là, tu vas voir, c'est random au bout. Il aurait pu s'inscrire à GigaFilm, là. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Mais des fois, c'est parce que là, ça fait trop de sens, mais des fois, ça fait aucun sens. Ouais, je vois le genre. Tu vois-tu? Des fois, ça fait aucun sens. Qui
Cynthia, Sophie, notre. So nice. Assez de techno qui me demande, c'est quand vous sortez vos TikTok? Quel TikTok au pluriel? Ouais, faudrait. Hein? Calé, ça me donne faim. Hey, déjà qu'il est faim. Là. J'ai faim. J'ai faim. Mais l'autre fois, attends un peu, il y en avait des plus random que ce seul. Ça, c'est. C'est juste lui qui se promenait puis qui flattait ouais, tout autour. Check d'un premier peut-être. Ouais, attends un peu. Il doit en avoir fait des milliers là. Un peu ça, ça. Ça, ça a l'air. J'étais sûr qu'il y avait drôle. Mais oui, alors. Ok, ouais. Je comprends de quoi tu parles. C'est sûr qu'il est sur le moche. C'est sûr, les micros. Ouais, un gars avec une moto, du feu pis du moche. Des nappes. Une nappe, là. Un char. Enfin, bref, c'était ça. Okay, hey, mais j'en ai un autre, moi. Ouais. J'ai Rafale Donnet. Rafale Donnet. On était rendu là, hein? Ouais. Ah! Ah, mon guitariste préféré. Ah, mais là, il y a de la musique. Ah, je m'excuse, OK? Faut que je prenne l'habitude quand il n'y a pas de musique. Ah, il fait du lip-sync? Ouais, il fait du lip-sync. Il fait du... Ah, la prochaine fois, il faudrait que j'y pense. Ah non, il fait du... Non, c'est ça. Sur la terre. C'est juste ça, c'est qui va me faire mal. Il se filme. Ah, c'est un Québécois. Oui. Ah! Oui. Rafale Donnet. Ça nous le prend ici en performance. C'est un bout où il n'y a pas de guitare là, lui il en joue. C'est une guitare hero. Ah, c'est de valeur que ouais. C'est de valeur. Calis, il y en a donc ben. Il en sort genre 30 par jour. Man, c'est fou. Ah non, il est actif. Il est actif. Yeah, I'm gonna take my girl to the McDonald's. I'm gonna... Okay. Il était à métro en fin de semaine. Il va être au FEC cet été, Yann, si t'as ta pause. Ouais. Le prochain, on y va avec les jumeaux le mieux. Les jumeaux le mieux, on s'en va dans le bas salarial. Mario et Claude. C'est pas les jumelles là, qui ont pas une scène pour payer leurs impôts. Non, ils ont des moitiés de maison. C'est pas de leur faute. Oh, non. C'est pas de leur faute, c'est de la faute du gouvernement. Oh, c'est pas le bon lien que t'as? Attends un peu. Les deux jumeaux le mieux, ces deux, ils travaillent dans le restaurant de leur père, dans le bout de Rimouski. Le mieux... Le nom du restaurant. Voyons. C'est comme les... C'est quoi ces tatous? Les jumeaux Island Boy. Ah oui! C'est les Island Boy du Bas-Saint-Laurent. Mais ils sont vraiment cool, pour vrai. Ils sont bourrés de tatous. Puis ils sont trois frères en réalité. Là. C'est juste qu'il y en a un qui est pas jumeau. Qui est mort, aujourd'hui. Non. Mais c'est ça. Ils travaillent, puis ils sont pas à l'aise devant la caméra, fait que ça crée des chefs-d'œuvre à chaque fois qu'ils sont spéciaux, qui posent, mais leur bouffe a de l'air exceptionnelle. Pour vrai, là, ça a de l'air frais. Bonjour tout le monde. Métis en direct de Place le Mieux. C'était pour faire une petite annonce, en fait. On vient de recevoir une grande quantité de crabes, des beaux gros crabes, là. Puis c'était pour vous dire, en fait, on en a en grande quantité pour tout le monde. On fait cuire sur place avec une recette traditionnelle maison. Puis si vous prenez une réservation là, sur notre site internet, juste appelez. Puis on fait cuire ça juste avant que vous passez. Fait qu'il est excellent, très frais, puis c'est le meilleur en ville, je vous garantis. C'est pour vous dire aussi, on va faire tirer 100$ de crabes pour la part. Il suffit de commenter, pour la abonner et de liker. Chris, 100$ quand même. Merci beaucoup. C'est un kilomètre de chez vous, Jumpy Later, non? Nice. Mais c'est ça, ils sont juste drôles de temps en temps, puis à les encourager. Ils sont juste drôles de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est celui que tu veux que j'invite, là. Jerry. Bon. Jerry Tremblay. Parle-nous de Jerry Tremblay. Ma découverte de l'année. Jerry Tremblay a passé à l'épisode 67, qu'on m'a dit tantôt, merci pour la correction, du Gang Show. OK. Il a fait le Gang Show. Ça a quand même bien été, mais il m'a vraiment... J'ai vu la bébête en lui. Puis, je t'inviterais, s'il te plaît, à cliquer en dessous
dans mon texte, là. T'as le site internet. Jerry, ah ouais, on va aller voir bon son site internet. C'est le plus beau site internet que j'ai vu depuis 1998. Oui, c'est incroyable. En fait, depuis l'âge de 15 ans, Jerry est dans des cirques. Il a fait l'école du cirque. Et c'est ça, son site est fait avec Windows 98. C'est magnifique. Et il a fait le tour du monde. Hey, aujourd'hui, ça doit être dur à faire, ça. Ben oui. Mais là, il a fait le tour du monde. Il est passé à American Got Talent. Il en a fait plusieurs. Ah, ben oui. Ouais, là, il y a la musique, mais... Ah, il y a tout le temps de la calice de musique. Mais... Ouais, Charles, regarde. Ouais, là, là-dessus. Mais si on le met à mute, mettons, là... je vous le chanterai, c'est TNT là, de AC/DC. Attends un peu. Je vais essayer de l'ouvrir. Puis lui, dans le fond, c'est un artiste du cirque. Il a du vélo. Il fait des stunts avec des petits vélos dans toutes les villes du monde. Il a fait du stand-up à l'autre bout du monde sur à peu près 12 pays différents. C'est une machine. Mais là, il se prend au sérieux. Tu sais, là. Alors, il fait un peu... comment il s'appelle? Il fait un peu... tu sais, le gars... C'est à Québec, ça. Tu sais, le gars qui se met une wig là, sur Twitch, là, puis il est bien, bien, bien populaire. Brittany! Non, il a des lunettes de soleil noires, une wig noire. Un jean noir, le monde le savent. Blanc, crossé. Le monde le savent dans le chatroom, c'est de qui je parle. Ah, il y a des chemises un peu comme Poudy, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est le Poudy cousin à Poudy, là. C'est ciboire, ça, c'est fort. Dr. Disrespect, c'est ça. Il fait penser à Dr. Disrespect un peu, tu sais, un personnage un peu... Fait qu'il est très drôle à voir aller. J'adore son site, j'adore le personnage, mais il est vraiment... C'est vraiment un personnage parce que en réalité, il y a deux numbers. Il y a celui-là, puis il y a un number aussi avec... c'est une personne âgée. Là. Il interprète une personne âgée aussi. Okay, okay. Avec son vélo. Il y a comme deux shows. Là. Il enlève une chemise. Là, on n'a pas la musique, ça serait encore mieux, mais ça va venir. Vous irez l'écouter. Chris, invite-les, esti. Bon! Ouais, invite-les. Hey, c'est, pour vrai, là. Es-tu dans le coin? Il est bon en jonglerie. Il est bon dans tout, là. Hey, il a 20 ans de cirque, lui-là. Il a fait le tour du monde, autant pour le Cirque du Soleil, puis d'autres cirques dans d'autres pays, là. Il est vraiment. Le Jerry Show. Wow. Ouais. Fait que vous irez le voir. Le mettre puis, parfait. Je vais le contacter cette semaine. C'est vrai que son site, il est beau encore. Il est malade. Puis là, en haut, là, si tu vas complètement en haut, t'as sa face qui tourne, là. Ouais. À chaque fois que tu cliques dessus, c'est quelque chose d'autre qui apparaît. Ah ouais, fait que c'est comme. Ah. Fait qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'autre. Tu vois qu'il est dans son monde, puis j'aime ce monde, ce type d'univers-là. C'est rafraîchissant, c'est différent. Fait que Watermelon, imagine à quel point il s'est planté en Belgique. En quelle année il a fait son site? Son site, il est-tu volontairement vieux? Ben oui. Parce que si tu vas voir, si tu tapes dans le chat, pouvez-vous me le dire? On l'a découvert cette semaine, son vrai nom. Si tu es Alex Tremblay. Jerry Tremblay. Ouais, mais son vrai nom... C'est là, Gérard. Ouais, brise pas la magie. C'est comme un Père Noël. Là. Faut pas dire le nom, là. C'est Max. Ouais, regarde Max Tremblay. Max Tremblay. On va voir. Il y a un autre site, puis... Je préfère Jerry. Ouais, mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment un artiste là, du cirque. Là. Max Tremblay. MD Tremblay. Cirque. C'est parce qu'il y a un chanteur aussi qui s'appelle Max Tremblay. Clique sur le GT. Sur son site, clique sur le GT. Ah, c'est ça. Sur le GT? GT, si tu descends un petit peu, là. GT, GT, ah, là. Ouais. Max Poulin. Max Poulin. Ah! Voilà. Fait que là, si tu descends en bas, là. Non. Tu sais que, regarde, le site est comme divisé en quatre, là. Il me semble que t'en as un, j'ai pas mes vélo lunettes, acrobatique. Là. Bon, lui, c'est lui, là. C'est... Ah, non. Si tu fais biographie, CV. L'autre en haut. D'abord. Le seul qui nous reste. Et voilà, c'est lui en vrai. Ah! Fait que, tu sais, il a tout son parcours.
Max Poulin. Yes, sir. Merci tout le monde. Ouais, wow. Fait que... On l'invitera. On l'invitera. C'était ta chronique, ça? C'était Max ma chronique. Power. Oh, yeah! C'était win! Yeah! Win! Voilà. Ma deuxième vraie chronique, en fait. Là. Hein? C'était ma deuxième vraie chronique. Moi, j'ai de quoi nous faire goûter. Ouais, t'as ça. Mais on a-tu la veille d'avoir fini? Parce que j'ai de quoi aussi. Puis que ça serait mieux de le goûter avant ton ben, truc. Ben, goûte-les avant, je vais aller rincer les verres. OK. On se garde pas ça pour le prochain show, admettons. On peut. Il est calme. On peut. Ouais, on va se garder ça pour le prochain show. Mangez-les pas sans moi, mais c'est oui. Par exemple. Non, promis, moi non plus. Ouais. Ce qui reste dans le congèle, reste dans le congèle. Fait que là, ce que j'ai dans le congélateur depuis genre un mois. Ah. Ça, c'était toi qui l'avais amené. Moi, j'avais fait une tourtière. Oui, c'est ça. Non, mais c'est spécial. C'est une slotch de pisse. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vrai, pour vrai, là, c'est ce qui rapproche le plus. Ouais. Hey, c'était cool, les gars. Excusez, tabarnouche. J'ai eu une grosse soirée, toi, hier. Hein? Ouais, j'ai eu une grosse soirée, Stifi. C'était pas mal stressant, mais là, à cette heure, le stress est tombé, puis je pense que ça va aller mieux pour les autres, parce que je voulais juste voir comment ça fonctionnait, tu sais, comment que notre dynamique avec Anto, puis si la... Tu sais, mais... Rousseau. Ils sont tellement hein, calés dans leur affaire, c'est rassurant. Ils sont fun aussi, du bon monde. Tu les avais déjà eus? Hein? Anto, tu l'as déjà eu ici? Ouais, je l'ai eu avec Pat Laperrière, qui a fait la table. La table est belle en crisse, en plus. Oui. Tabille en est. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Sa blonde est enceinte à Pat Laperrière. Ah ouais? Bon, ouais. Un bon petit bébé en bourre. Ouais. Un bon petit bébé en bourre. Un petit Pinocchio. Un petit Pinocchio. Y en a un, il dit, Yann veut plus rien savoir de nous autres à soir. On veut rien savoir! On veut rien savoir! Et vous autres, Madame Martin, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Écoutez à l'île. Chris, de la mine à bio, tabarnak! C'est illégal! On n'a pas le droit! De la mine à bio! On va aller regarder ça, là. Je vais aller me prendre une petite douche, me tendre dans le lit, puis regarder les suggestions ben TikTok. Oui, ben oui. Esti, là, je bégaye, là. Il est tard. Le show? On va le finir. Alors, cette semaine, on a jeudi, on a quelqu'un avec Rosalie, donc ça va être moyen. Steven. Sinon, ça va être Steven. Ah, je pense que c'est demain. Rosalie, c'est quand? C'est demain? Ouais, c'est demain. Ouais. Steven. Hey, j'ai hâte de. C'est con. Demain. C'est ce que je veux dire. J'ai hâte de voir les cheveux à Steven. Ouais, bon, ça a l'air. J'ai vu une photo récente. Ça a l'air d'avoir repris. Évolué. Ah ouais? Moi, j'ai hâte de savoir si. Il y a eu des nouvelles. C'est pour ça qu'il insistait pour venir. Il voulait refaire son image. Là, peut-être bien qu'il y a eu des nouvelles aussi. Là, ils ont peut-être retourné ses appels parce que, en tout cas. Aux dernières nouvelles, ça avait fini un peu sec, là. De quoi ça? C'est son opération. Il était revenu, puis il n'y avait plus une crise de nouvelles d'eux autres, rien. Ah! Mais, Rose Battle, jeudi, by the way, Norkill qui me demande ça. Ouais, jeudi, je suis à l'Emporium comme juge pour le Rose Battle. Puis, ça va être ça. Suivez-moi sur Twitch. Puis, Patreon aussi. Fait que, allô, Wilt? Wilt, as-tu des trucs oui. Suzuki Marauda VZ 800 2002. Ah oui, c'est vrai. Si chaud. Pour vrai, vous ne regretterez pas. Si tu veux un Harley, quelque chose avec un son Harley, mais t'as pas un moyen de t'en acheter un, viens me voir, je le gars pour toi. Ah voilà. Puis là, tout le monde va rire de toi parce que ils vont dire, regarde-les, le style poser avec son faux Harley. Non, pas tant. C'est comme un Harley, mais crissement moins chiant, mieux. Ça roule mieux. Pas de style. Puis nous autres, on se revoit demain, mesdames et messieurs. Venez, soyez là demain soir. Je vais avoir Rosalie puis monsieur Steven qui vont être là. Hey, merci les gars. Puis on se revoit. Nous autres, on va checker. Ouais. Tu me feras signe, là. Ben ouais. OK, let's go. OK, on parle là-dessus. OK, let's go. Let's go. Faites cuire la marde.